C'est quand? C'est bientôt, mais non, regarde, c'est dans 21 minutes. Et encore, et encore, et encore. S'il se lance à 21 minutes, attention, ça c'est pas dit non plus. C'est pas totalement dit non plus. Attends, je fous quand même une petite track. C'est quoi, je fous une track de Doom Classic, une track, Doom Classic. Je suis en train de péter un plomb à vitesse You like what you see. Je suis en train de péter un plomb à vitesse vraiment vraiment supraluminique. T'as mis à jour tes drivers? Oui. Wow. Ok, voilà, on va foutre ça. En attendant, au pire, mec, fais une tier liste des jeux Doom, tous en S sauf Doom 2. Tu m'as pris pour un scrub qui faisait des tier listes ou pas? Vous voulez que je fasse une tier list? Franchement, je peux faire une tier list. Attends. On va faire une tier list, on va faire une tier list. C'est quoi? On va faire une tier list. Hein. Le countdown, il est là. Bon, il est plus là, mais bon, je suis obligé de le virer. Tier list, est-ce que vous pensez qu'il y en a une sur Doom? Si je tape Doom. Doom. All Doom Demons. Doom Games tier list. Plutonium Experiment. Evolution. Doom 2. Ouais, mais il y en a, enfin, il y a que dalle. Mec, il y a rien, enfin, regarde, attends. Voilà. Plutonium Experiment, c'est à cause des Chain Gunner. Evolution, pas joué. Doom 3, j'aime beaucoup. Doom 2, j'aime pas mal. Doom, voilà. Top, 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 top. Sur les mobs de Doom. Ok, c'est pas. Alors, là, c'est quoi, pourquoi les différents Archvile? C'est quoi le délire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça vient de où? Ça vient de Doom 3, ça? Ça vient de Doom 3, le Archvile dans Doom 3. Qu'est-ce qu'il fout, Archvile dans Doom 3? Je sais plus. Voilà. Le Archvile normal. Alors, c'est un enculé, le Archvile normal. On est d'accord. Attends, vous voyez le bas de l'écran, quoi? Quand vous voyez le bas de l'écran. C'est un sale fils de pute. Sauf que j'adore son design. Et le fait qu'il passe sa vie à gueuler, et j'aime beaucoup, franchement je le mets en S. Oh putain, il y a double S en plus. Enfin, ouais. ça c'est le Baron of Hell de Doom 2016. Je sais pas, j'ai envie de jouer à Doom. J'ai pas envie de faire des tier listes. Attends, je relance Steam, ça se trouve ils vont se gourer, ils vont me donner 19 minutes d'avance. On sait jamais, ça arrive des fois. C'est pas, hein. Peut-être qu'il y a des nouveaux, il va faire ah oh merde, j'ai glissé, merde, Doom. Bon bah tant pis, hein, on va leur laisser. C'est pas grave, hein. Je vais juste tweeter que je commence, enfin que je commence, que j'attends Doom. Hop, on attend la sortie de Doom. Venez voir à Zerzoa. On va écrire des mots, voilà. On fout une image et voilà, hop, une image avec une beat, tiens, pourquoi pas. Voilà, parce que quelque part je connais mon public. Voilà, impeccable. Oh putain. Why are we here? Just to suffer. Non mais ça me fait chier de faire une tier list. Là maintenant, là, j'ai vraiment envie de faire rien d'autre que jouer. Après, je pourrais faire. Par exemple, tu sais, je veux mettre juste les mobs que je préfère, tu vois. Genre ça. Ok. Genre. Donc le caca demon, le caco demon déjà. Le Pain Elemental, je l'aime beaucoup, mais un peu moins que le caco demon, mais c'est juste à cause de son design que je l'aime beaucoup. En plus, ce connard, il fait apparaître des Lost Souls. Et ça me casse les couilles. Peut-être que t'es sur mon compte attardé, du coup il veut pas. Non, 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 je suis bien sûr. C'est mon compte l'attardé, pas toi. Peut-être que je suis sur mon compte attardé. Non, 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 je suis bien sur mon compte, t'inquiète pas. Le design du ouais, j'adore le design de l'Icon of Sin, donc je vais le mettre en WS. Franchement, je vais le mettre en WS. Spider Mastermind, ouais, en A. Arachnotron, j'aime bien aussi, mais moins ouf. Ça, c'est un nazi de Wolfenstein, Momo. Momo, il y a un nazi de Wolfenstein, il y a Schutzstaffel. Pas Avast qui casse les couilles. Non, 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 mais il va arriver, il va arriver. S'il va arriver à minuit, c'est tout. Et voilà. Chier, et puis c'est tout. Nique ta mère. Et puis c'est tout. Voilà, tant pis, quoi, tu vois. Mais sinon, voilà, j'ai fini ma tier list et le reste, on s'en fout, quoi. Oh!
Y'a un truc qui a bougé. Le bouton jouer, il a bougé. Pourquoi le bouton jouer, il a bougé? Ça a fait téléchargement. Pourquoi il a bougé? Pourquoi il a bougé? Ta grosse race, pourquoi tu fais des choses comme ça, espèce d'enculé? Je vais appeler Gaben. Écoute-moi bien, gros cul. Si je trouve votre bite, je vais venir chier dans tes claquettes. J'ai rien à perdre. Je déteste les pauvres. Vous vous souvenez de lui? Je déteste les pauvres. En vrai, le bouton play, il a bougé, mec. Le bouton play a legit bougé. Téléchargement du jeu, temps estimé 14h. Tu crois, avec ma connexion, tu crois que si je mets 14h à télécharger quelque chose, c'est parce que je fais un backup de tous les fichiers de la NSA. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Allez, un quart d'heure. Bon, vous l'aimez bien, mon fond? Pff, je m'en bats les couilles. Tu sais quoi, je vais boire une Red Bull. Comment c'est super bon. J'ai des brillants sur le côté de la vision, tu sais, quand t'es sur le point de t'évanouir. Ça veut dire que je suis de bonne humeur, tu vois. T'imagines, dans 15 minutes, en fait, c'est demain midi. Si c'est demain midi, je campe le stream jusqu'à demain midi. Et je vais personnellement acheter un ticket pour aller jusqu'en Floride. Et mettre ma main dans le trou des fesses de Hugo Martin pour m'avoir promis des choses. Le bon goût du cancer en canis. Bah c'est bon, Red Bull. Merde. Je m'en suis mis partout. Mais alors, incroyable quoi. Mon beau t-shirt Doom, hein. Mon beau t-shirt Doom, il est beaucoup moins beau le t-shirt Doom, hein. C'est pas grave, allez. On a vu pire, tant pis, c'est pas grave. On sent la fébrilité. Je suis pas fébrile. Finalement, c'est toi l'attardé. Espèce de maudit. Mais je crois, en fait, c'est juste ça le problème, c'est qu'ils savent à id Software qu'il faut pas non plus que je passe une super bonne soirée, parce que sinon... Enfin, c'est quoi, tu vois, c'est sinon pourquoi? Donc, ils font en sorte que je passe une grosse soirée de merde. Le truc, c'est que le t-shirt, c'est Koum. Il est baptisé, le t-shirt, maintenant. Ouais, de Red Bull, c'est un vrai t-shirt de gamer. Mais le truc, c'est que je sais même pas si Doom Eternal va bien passer. Donc, en fait, je vais lancer le jeu et on va voir ensemble s'il tourne bien. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de lancer le jeu et de voir s'il tourne bien, mais du coup, me faire spoiler les cinématiques. Donc, dans le pire des cas... on lancera le jeu ensemble, on voit si les cinématiques passent, si le gameplay passe, et on fait notre petit stream, on va passer, ouais, 4h, 3-4 heures dessus, et on fera un stream demain, mais il y a des chances que le stream ne passe pas, que Doom Eternal ne passe pas, parce que j'ai une carte graphique qui est un petit peu lancinante, et que j'ai eu une occurrence tout à l'heure où mon PC a redémarré, donc ça se trouve, il va péter aussi, enfin... Y a plein de trucs qui peuvent se passer, hein. Si tu le one-shot pas, me parle plus jamais. Il fait 18h, mec. Il fait 18h. Non, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire, là, 4-5h. De 4h, allez, 4h, on dit 4h. On fait 4h, je vais dormir vite fait, et demain, on recommence le stream, mais genre à 13h, 14h. C'est marrant, c'est pas mon problème. Momo, me force pas. Mais en plus non, parce que ça va me saouler du coup. Quand j'avais one shot Doom 2016, je l'avais claqué en 8h30. Et les arènes de la fin, normalement t'es... C'est un petit apéritif, tu passes, t'as l'apéro, ensuite le plat principal, les fromages, le dessert. Et moi je m'étais tout tapé d'un coup, mon gars, je te promets que j'étais ballonné. Et la dernière arène, elle m'a vraiment pété les couilles. Donc j'ai pas envie de recommencer ça avec Doom Eternal, c'est pour ça que j'ai pas envie non plus de m'over drone sur Doom Eternal. Donc même si par exemple demain je lance le stream à 14h ou 14h30, 15h, enfin bref dans l'après-midi, je vais faire du Doom Eternal pendant 4h ou un truc comme ça, ou quelques heures en plus. Et si je le sens pas, je vais passer par exemple sur Doom 64 et ensuite repasser sur Doom Eternal, tu vois le truc. En plus j'ai même pas téléchargé Doom 64. Un stream à 14h, merci le confinement. Ouais, bah ouais. Apparemment, en tout cas, il y a des rumeurs comme quoi ils veulent aussi allonger la durée de confinement ici en France. Un. Yeah. Toutourou. 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 Tu prends ce soir, du coup.
Bah oui, en fait, c'était le but aussi, c'était que je prenais... Bah du coup, c'est vendredi, ouais c'est ça, on est vendredi là. Ouais c'est ça, bah le but c'était aussi que je prenne du coup ce soir là. Putain, le bouton il est clignotant, sa mère. En fait, tu sais pourquoi le bouton il clignote? C'est parce qu'il est en train de me télécharger des genres de pas des mises à jour, mais il est en train de checker si c'est encore le temps de lancer le jeu. Mais le truc c'est que c'est pas encore le temps, et du coup ça m'a marqué au lieu de jouer vite fait, téléchargement en cours. Et ça a clignoté. On est vendredi, oui on est vendredi Arterus. Bah en tout cas on est vendredi et il est minuit 59, enfin minuit 49. Donc Ouais je les connais par cœur. Presque, ouais 11 minutes presque. Non mais je suis patient, hein. Je suis quelqu'un de patient dans la vie hein. Je suis quelqu'un de patient. Pas tout le temps. Mais la plupart du temps, ouais. Bon, sinon, vous, ça va. C'était bien le stream avec Spider, hein, sur... En fait, je te sens très patient. Ouais, ça fait environ... Ouais, une heure et demie, une heure... deux heures même, que je bouge mon genou. Tu sais que j'ai des... Je remue mon genou, ma jambe, tu vois. Speedrun E1 M1, vite fait. Ouais, enfin, ça prend 7 secondes, donc... Va falloir que j'en fasse beaucoup jusqu'à ce que Doom Eternal y sorte. Apparemment la version de Bethesda est sans DRM ou un truc du genre, mais du coup peut-être dès demain. On verra bien. On verra bien mec. Je joue à Doom 1, non. Non mais non, c'est pas aussi simple. C'est quoi à la place, je vais me brûler une clope. Parce qu'ici il y a la méga forge. Refait 2016 en entier, en 10 minutes. Non, 10 minutes, je peux claquer le premier épisode de Doom 1. Mais j'ai pas envie. J'ai vraiment rien envie de faire d'autre que du Doom Eternal. Donc je ferai pas de Doom 2016, je ferai pas de Doom 64, je ferai pas de Doom 1, je ferai pas de Doom 2, je ferai pas de Plutonia Experiment, je ferai pas de Hell on Earth, je ferai pas de Thy Flesh Consumed ou de Knee Deep in the Dead. Fais l'émission de livraison de Spider-Man sur... De pizza sur Spider-Man 2, yes! Pizza time! Ça, je vais le faire, par contre. En plus, non, putain, c'est cette chanson super stressante de 1M3, là. Non, c'est M4? Je sais plus. Mais elle fait peur. Fais l'émission de Spider-Man sur Pizza 2. Mec, je commence à être le attarde. Et allez, j'ai déchiré ma feuille, c'est la merde, tiens, putain. Je commence à être le attarde. Ça va venir. Yo, j'ai rien loupé. Ah non. Ah non, t'as rien loupé. Ah, pas de problème. Appelez vite une bondulance. Ok, c'est bon. Toi aussi, tes muscles de la bouche, ils marchent plus. Ils ont jamais vraiment très très bien marché, mes muscles de la bouche. Hein. Là, je fais genre, mais finalement... Ça va se lancer. Hein. Ça va se lancer. J'imagine qu'en plus, dans tous les streams français, il doit y avoir MV en train de se gaver, là. Il doit avoir le jeu depuis 20 ans, là. Il doit y avoir le stream là, je sais plus qui là, et ça y est, ils ont eu des review codes parce qu'ils sont supérieurs au commun des mortels. Ça m'a fait tellement peur. Merci à Beaufils, merci beaucoup pour le prout. Tu sais que je me mettais Shrek en accéléré en 8 minutes. Tu crois que... Shrek, but every time he takes a step, it gains 5% faster. Fais voir, attends. Vas-y, on va regarder ça. Hein. Allez, c'est cheaper, mon gars. C'est 5... Oh, tu l'entends en plus que c'est 5% plus vite. Joël aussi, attends, mais ouais, Joël il doit être extatique aussi, c'est pas possible.
Qu'est-ce que j'aime bien ce film? Ils font Animal Crossing les autres. La chance aussi les enculés, remarque. Ah comment c'est bien Shrek. C'est trop bien, oui. Mais t'entends les voix comment elles sont nazes en VO. En VO, c'est vraiment un gros film de merde, Shrek. Ça pue vraiment de la gueule. C'est, en VF, on a eu la chance d'avoir des mecs intelligents qui bossent dessus. Mais sinon, franchement, c'est vraiment un gros film de merde. Ouvrir une bière pour Doom, pas avoir Doom, sad life. 5 minutes, les gars, 5 minutes. Shrek VF, Shrek espagnol, Shrek VO. Oui, Shrek espagnol, ça a l'air pas mal aussi. Ouais, Shabba, il a éclaté le truc, il l'a rendu incroyable quoi. Il aurait pas été là, franchement, ça aurait pas été la limonade. Shabba est le doubleur de Liberty. Mais non, mais c'est à dire que même quand tu regardes Lord Farquaad, même Robin des Bois, mec. Robin des Bois doublé par Vincent Cassel, mais c'est génial, c'est trop stylé. Il est vraiment génial, le film est génial, mais qu'en VF, c'est tout. Et en espagnol, apparemment, aussi. Mais ils ont pas Shabba en espagnol, ils ont Shabato. Bref, bon, j'en peux plus, là. Je peux rien faire d'autre qu'attendre. Regardez l'horloge. Je peux pas streamer une horloge. Horloge. Yes. Attends, est-ce qu'on... Heure exacte en France. À fond. Ok, ça, c'est pas mal. Je peux streamer ça. Voilà, fais une Doom Clock. Re, pourquoi il y avait Shrek? C'est rien. Les mimes pour américains, c'est juste des trucs pour se foutre de la gueule du film, alors que nous, ils rendent que plus beau. Oui, c'est ça. Nous, quand on fait des mimes sur Shrek, c'est parce qu'on l'adore, en fait, le film. C'est pas pour se foutre de sa gueule. Putain, et mon PC, il avance de une seconde. Je suis même pas à l'horloge atomique sur mon PC, sa mère. 182 jours avant... Cyberpunk, c'est ça? Ah bah ouais, ça doit être encore plus long du coup. C'est vachement blanc. Excuse-moi, Oprah. Oula. Chaque jour, nous nous rapprochons du jour béni. Combien de jours avant Bannerlord? Bah c'est pas 10 jours du coup. Tout. Donc monsieur qui doit attendre 5 minutes pour son Doom. Excuse-moi de préférer... des jeux intéressants et de pas vouloir me balader dans une ville dite cyberpunk, mais en vérité... Oula, télécharger. Comment ça télécharger? Tu télécharges quoi là? Doom, qu'est-ce que tu télécharges? Tu télécharges rien là. Me balader dans une ville, hein, ça dit cyberpunk, mais il y a du soleil. À d'autres. J'en exalte. Donc, s'il te plaît... À d'autres. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Il décompresse quoi, là? Ok, il y a 19 minutes de décompression. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi 20 minutes, maintenant? Pourquoi 21 minutes, maintenant? Pourquoi 19 minutes, maintenant? Faut arrêter de faire des choses comme ça, par contre. En plus, c'est pas un soleil néon, en plus. Donc, c'est bon. Ça va, vous m'aurez pas avec vos délires cyberpunk d'opérette. Tu te trouves avec des robots. Téléchargement de dernière minute. Non, il télécharge rien. Il est en train je sais pas, il décompresse des conneries. Il décompresse ta mère là. Que ça pite. Non, le téléchargement ça me ferait pas peur. Mais là, la décompression, j'ai pas le choix en fait. J'ai beau avoir une très très belle connexion. Là pour le coup, la décompression, il va falloir attendre que le SSD il se dise que c'est bien. Il y a 8 minutes apparemment de décompression. Ma mère aurait bien besoin de décompresser. Vache. Ouais. Ouais, tout le monde, hein. Tout le monde. Bon, bah, 7 minutes. Il y a une petite décompression à faire. Vous inquiétez pas, ça va venir. Vous inquiétez pas. Il n'y a que moi qui suis inquiet. Je suis inquiet, là. De toute façon, le cyberpunk, le vrai, c'est Blame avec ses mégastructures de 5000 étages et 137 000 km de rayon. J'ai vu des animations qui refont Blame. Et ça avait de la gueule, mais j'ai aucune idée de ce que c'est en fait. Mec, c'est fou. Pourquoi c'est fou?
Moi, la mienne a possiblement le corona. Et bah, faut faire attention. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je suis juste en train de regarder le timer qui descend. Je deviens malade là. Elle touche beaucoup, quoi, mais genre beaucoup. Ah ouais, merde. Ça, par contre, c'est à chier, ouais. Pourquoi c'est remonté à 8 minutes? Arrêtez là! Fais un démineur en attendant, je sais pas jouer au démineur. Est-ce qu'on a le démineur en plus sur Windows 10? Je crois même pas, non? Accessoire Windows. Non, c'est où? C'est dans les jeux, c'est ça? Parce que c'est un truc, je crois qu'il faut le télécharger. Mais je crois que j'avais délite de mon PC l'application pour les jeux Windows. Parce que c'était à moitié niqué et ça me saoulait. Donc du coup, je l'ai viré. Donc je peux même pas faire un démineur. Fais un flipper. Tu crois qu'il y a... Tu crois que ça existe? Play free online Minesweeper. Non! Ça existe! Oh, de ouf! Va sur la droite. C'est pas grave, ok. Je sais pas jouer au démineur. Là, ça veut dire que dans un au tour... Attends, on voit mon curseur? On voit pas mon curseur en vrai. Si? Si, on voit mon curseur. Ça veut dire que là, genre dans un au tour, là, il y en a un. Et là, dans... Non! Ouais, dans autour, là, il y en a un. Et là, autour, il y en a deux. Donc, ça veut dire que... Ici, il y en a trois. Ici, il y en a un. Eh, mais c'est dur de ouf. Là, il y en a quatre, donc faut pas toucher. Ah non, c'est pas possible. Si, quatre. 1, 2, 3, 4, par exemple, pour 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Par exemple, si je fais ça. Comment c'est de la merde de démineur, mec. C'est vraiment pourri. Hein. Vraiment, vraiment pire jeu de merde. Hein. Je suis sûr, il va être beaucoup moins bien que Doom Eternal, par exemple, tu vois. Voilà, par exemple, il est 1h du mat. Mais il est toujours en train de faire la décompression, donc faut attendre un petit peu. Coucou Nick Nick, ça va ou quoi? Bah ouais, mais il décompresse. Donc, contrairement à moi. Quel briquet. L'énorme briquet. Les autres, je les remplis plus, ça, c'est même plus la peine. Yes, bah oui. Bon, je suis désolé du coup hein, de lancer le stream aussi tard dans la nuit. J'avoue que je pensais qu'il serait plus dispo demain, genre vers 18h, mais je sais pas vraiment pourquoi, en fait, j'aurais dû savoir qu'il serait lancé dans la nuit de vendredi, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, c'était plus logique, et du coup je me suis préparé vraiment aux dernières minutes, mais streamer précoce, ouais c'est un peu ça, ouais. Vous passez le temps comment, vous les gars, en attendant? Bah moi par exemple, je suis en borderline de crise de nerfs, je fume une globe. Je sais qu'il y en a pas mal aussi qui vont pas venir sur le stream ce soir parce qu'ils sont en train de jouer au jeu de leur côté. Mais ça franchement je comprends complètement et je respecte. Donc il y en a même qui sont venus me voir en privé en me disant ouais ce soir je pourrais pas être là, je vais faire le jeu de mon côté. Je dis y a pas de problème. See you in the game. Et je lui ai dit à plus avec un arrobase. Arrobase plus, tu vois, comme on faisait en 2004. À plus sur internet. Franchement, il a trouvé que j'étais super cool. C'est donc ça d'être un streamer connu, respecté, ah ouais, de ouf. Et personne pour me l'offrir, putain, bah ouais. T'es con, hein. Père Noël, il existe pas. Et t'as remis tes lunettes de soleil, réajusté ton trench coat, et je suis parti dans la pluie de la ville. Cyberpunk avec pas de soleil, parce que c'est comme ça que le cyberpunk doit exister. Franchement, une ville cyberpunk avec du soleil, franchement, je trouve ça dégueulasse. Quelque part, il faut qu'ils arrêtent, en fait. En plus, tu peux jouer une femme. Et il paraît qu'il y a des trans sur des affiches, t'imagines. Et Ressin, tu connais le quartier cyberpunk en Chine? La World City of je sais plus quoi, là. Ouais, je connais.
Je connais, je connais. En plus, elle a été détruite, je crois, dans les années 70 ou 80 ou un truc comme ça, et les gens, ils en parlent encore de cette ville à la con, où les gens, ils claquaient très facilement, et ça relève aucunement du talent des gens, mais juste du désespoir, et de leur système communiste qui était toujours éclaté, donc c'est tout, hein. Black Sad, il est stylé en trench coat. C'était bien Black Sad hier. C'est un bon jeu, je trouve. Il était sympa comme tout. Et qui était pas cyberpunk, sa mère l'a tendu. Mais qu'est-ce que ça pouvait être alors? Kamloon, World City, ouais, ça, ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être alors? Enfin, disons que tu rajoutes des néons et des augmentations. Là, d'accord, hein, ça devient cyberpunk. Mais là, c'était juste des fils en fait. Il y avait juste des fils et des flaques d'eau. Donc... c'est vrai que. Toulou, toulou, toulou. À la limite, c'est steampunk. Oh, bah non, encore moins. Il y avait rien. Oui, c'est une ville de clodo, c'est juste un favela chinois, quoi. Un favelichi, quoi. Ouf, ouais. Non. Des filles, des flaques d'eau, de la drogue et des armes à feu. Ouais, c'est ça, ouais. Deux minutes trente. Pas ouf la blague, ouais, je sais. Un. Ah, c'est quand on réussit une mission, ça. C'est trop bien. Je parle littéralement en spaghetti, je sais pas dans quoi je pars et l'attente devient vraiment insoutenable. Bon, au moins j'ai fait un joli fond. Je voulais animer la lave, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais pas de talent, du coup je l'ai pas fait, mais... Faut que vous voyez les définitions du cyberpunk et du steampunk, les gars. Lul, yes. Moi je préfère le oilpunk et le cassette futurisme. Et le Reagan... c'est quoi, Reagan futurisme? Non, Reagan... C'est pas Reagan Punk, je crois, ça s'appelle le Reagan. Reagan Punk. Non, comment ça s'appelle? Reagan Gothic. Le mieux, c'est quand même le Diesel Punk. Ouais, j'aime bien aussi, j'avoue. Du coup, répète ce qui se passe à la fin de 2016. Il y a Aiden, le robot. Il nous met dans un genre de deuxième sarcophage et il prend la grosse épée de magique. Et après, il dit, je vais régler le problème, Mohamed, parce que tu as cassé les couilles, tu m'as niqué mon système d'énergie, ça me saoule. Et voilà. Il a dit, j'ai plus besoin de toi, tu te casses. En fait, il a fait un petit peu comme le G-Man à la fin de Half-Life 2, sauf qu'il lui a même pas dit, ouais, bon, on se revoit. Il a dit, tu m'as cassé les couilles. Écoute-moi, Jean-Michel Doom. Tu m'as pété les couilles, t'as pété tous mes récepteurs argent, et franchement, je l'ai mal pris. Et en tant que, si tu veux, conseiller RH, directement, il lui a dit, bon bah, tu te casses, tu vas voir ton assistante, tu lui demandes ton billet et puis tu te barres, quoi. Tu rends ton badge. D'ailleurs, demain, il y a la vidéo, j'ai hâte. Oui, demain, il y a la vidéo, dis donc. Ouais, merde. J'avais pas oublié, hein. C'est juste que, voilà. 55 secondes. J'avais pas oublié. Non, j'avais pas oublié. C'est juste que, voilà. Donc, c'est bon. C'est pas à peine d'épiloguer là-dessus non plus, quoi. Super, Nils. Bravo, Nils. Non, pourquoi ça remonte à 1 minute 13? C'était bien quand c'était 55 secondes. J'aimais bien, moi. Et en plus, après, c'était 54 et 53. Pourquoi ça remonte à 1 minute 17, là? Non, on peut pas dabber là, on dabbe de que dalle, 1 minute 13, mais tu fais chier. Mais ça c'est les minutes Steam. On a toujours mimé sur les minutes Steam. À chaque fois c'est toujours la merde, genre il était... Et 1 minute, attention, 1 minute 3 quarts, oh ou, re 1 minute. 33 secondes, c'est redescendu. 30. Ah, 25, 23, oui, oui, ah, 17, 15, allez, je te fais confiance, Tim, remonte pas, je me demande ce que ça va donner le multi, ah ouais, 5 secondes, 4, baisse la tête, on regarde un coureur, 2, prêt, jouer, on peut cliquer sur jouer, Il fait une installation de Microsoft VD, RVC, Redis, package. Attends.
Il est encore en train d'installer les trucs. Jouez les gars, ça le suffit. Attendez, c'est pas tout à fait fini, il y a encore des phases d'installation à faire. Vous inquiétez pas. Oh, lance, en train de lancer le jeu. Y a pas de problème, hein. Y a pas de problème. Il va se lancer tranquille, il y aura aucun problème. Indy. Oh, j'ai un écran noir parce que assistance. Chut. Oh. Bethesda. Attends. C'est la première fois que je fais la config d'un jeu directement comme ça. Oh, merci Hades, merci beaucoup Hades. Oui, on n'a pas l'écran, mais attends, je suis en plein écran. Enfin, il est en plein écran, je peux pas encore le foutre. Oh, ta gueule. Vous inquiétez pas, vous allez le voir, le menu principal. Attends, si vous voulez, je peux genre faire ça. Est-ce que je peux faire ça, genre? Tac, tac, hop, hop. En espérant qu'il soit capturé. Attends. Ça arrive, vous inquiétez pas, je fais juste les réglages de gamma. C'est où les options? Tac, ici. Vidéo, fenêtré. Tac, vous inquiétez pas, je fais ça tranquille. La musique, elle m'encule. Elle est en train de me sodomisifier. J'arrive pas à capturer le truc, j'espère que je vais pouvoir au moins capturer la fenêtre. Non, ça c'est YouTube. Ok. alors, voyons voir. Désactiver ça. Champ de vision 90, on est bon. Rendu daltonien, on s'en fout. Tu m'as mis en ultra direct. Par contre, va falloir peut-être se détendre, non? Cauchemar, tu m'as... Ouais, mais détends-toi quand même. On va tester en élevé, déjà. On va tester en élevé, voir ce que ça donne. FPS de cible, échelle de résolution, ok. Profondeur de champ, ouais. Anti-crénage de profondeur de champ. Pff, ouais, on s'en branle, on verra plus tard. Il est où la... Elle est où la sacro verticale? Je l'ai virée. Moi qui pensais aller dormir, ultra cauchemar. Je peux pas mettre plus fort. C'est bien niveau son, vous entendez bien, hein? Oh la vache. Ok, commande. ZSQD, espace, mage. Ouais, c'est bon. Ok, voyons voir si le jeu, il marche. Ultra-violence. C'est-y pas. J'ai pas mis les sous-titres. C'est pas grave. Continuez quoi? Qu'est-ce qu'on continue là? Un petit peu plus fort. Plus de son, c'est connard. Très bien. Dis pas. Face à tout le mal que l'enfer peut enfanter. In a world. Toute la vilenie que l'humanité peut produire. Oh putain. Nous n'enverrons contre eux. Oh wow. Que toi. Wouhou. C'est moi. Massacré. Jusqu'au dernier. Non, de ouf. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Eh, comment c'est la surface de Mars, t'as eu. Tu peux pas le mettre en vie. On va voir après, Momo, si je peux accéder au... On va voir si je peux accéder aux options pour mettre en VO, Momo, plus tard. Ils sont partout. Voilà comment c'est fort. Les morts se comptent par milliards. Quelqu'un est en train de lâcher des caisses sur la radio. Maintenant mes frères, prions. Hospice funeste. C'est comme Louis. Prions pour s'éveiller. Louis de funeste. Pitié. N'importe qui. Si quelqu'un m'entend. Il y a des survivants. Oh putain, on voit son visage. On a presque vu son visage. Hospice partout. Récupération du signal du prêtre de l'enfer. Donc Vega, on l'avait sauvé dans Doom 2016. Les envahisseurs ont consumé 60% de notre... Oh, je vais mourir. Il y a eu un humain. Le signal du prêtre de l'enfer est verrouillé. La cible est marquée, mais le signal ne tiendra pas. Car c'est lui qu'il redoute, et non l'homme, et ses armées. Ils craignent la marque de la bête.
Ok. Attends. Est-ce qu'on peut... On peut pas changer les langues maintenant? Juste un truc. Attends. Flou cinétique, ferme ta gueule, voilà. Ok. Ok, c'est bon. Je vais baisser juste un peu le jeu du coup. Parce qu'apparemment c'était un tout petit peu fort. Voilà. Vous me direz comment vous pensez? Non, c'est encore trop fort, non? C'est encore trop fort. Tac. Ok, ça devrait être bon là. Oh, hey, s'il te plaît, ça va. Aïe, j'ai mal. C'est marrant. Ah, j'adore ce truc. Yes, impeccable. Ok, donc je me suis foutu en ultra-violence. Donc les ennemis vont être un peu vénères. Mais écoute, ça devrait bien se passer. Alors il y a un truc que je voulais voir aussi. Excusez-moi, on va faire ça juste vite fait avant. Dans l'UI, voir qu'est-ce qu'on a comme réglage. On a énormément de réglages. Ouais, on a toutes les notifications. Et on a différents modes d'ATH. Réticule uniquement, donc si jamais il y a des gens qui ont la flemme. Non. Mec. Non. Le truc de ouf. Oh putain. Mec. Exterminateur, mais... Attends, Codex. Qu'est-ce qu'il nous dit sur... Attends. Comme les maîtres d'armes des sentinelles nocturnes avaient prédit, c'est le guerrier qui rend l'arme efficace, même si ce choix peut sembler étrange. La tronçonneuse est devenue l'arme inconditionnelle de l'arsenal du Slayer. Pour tout ce qui touche au démembrement d'ennemis, la tronçonneuse est l'outil idéal, la shotgun. Malgré une ribambelle d'options disponibles pour les spécialistes du combat moderne, ce fidèle classique reste dans le choix privilégié de nombreux agents. Comparé au plasmoïde surchauffé ou au projectile Gauss, l'impact purement balistique du shotgun a encore... Attends, oulala... a encore toute sa place. La simplicité de son design garantit une utilisation rapide et sûre, tandis que son vaste choix de type de munitions, nanana, c'est super. Et l'âme du destin, du coup. Modification apportée à l'armure du Praetor. La lame du destin a été conçue pour améliorer la force de frappe du Slayer à courte portée suffisamment puissante pour trancher la chair et les os démoniaques. Cette lame dentelée permet au Slayer de franchir des défenses ennemies et attaquer là où l'armement traditionnel est inefficace. Ripanter. Par contre, tu vas me laisser tranquille, non? Ok, il y a des petites phases d'entraînement. Oh la vache, la terreur. Ils sont effrayés, les pauvres. Ça va? Bah ouais, tu le prends super mal, mec. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tu péflies. Salut, Werther, ça va ou quoi? Ian, c'est joli, hein. Ah, des gueux. Où est-ce qu'on est? On est dans un vieux... Comment? Wow. Ok, d'accord, donc on a carrément des puzzles. Ok, la vie. Oh, les vieux casques à l'ancienne. Ok, les casques qu'on retrouvait aussi dans Doom original d'ailleurs. Ok, voici l'écran de sélection de modules d'armes interagissant avec le mode bot pour le... Super. Bombe collante, tir automatique. Tiens, c'est quoi ça? Doom, d'accord. Et les bombes collantes? Bip. Attention. Mais du coup, mec, t'es en élevé 60 FPS, mais du coup, le petit est ultra large. Non, bah écoute, ça a l'air, ouais, je suis en 60 FPS. On va voir après. J'ai quelques chugs. Mais c'est-à-dire que, genre, je descends à 55 FPS, quoi. Mais ça prend pas trop. Ça, pour l'instant, ça dérange pas, donc. Et bah écoute, on va partir là-dessus. Astuce, inflige de lourds dégâts dans un court laps de temps, parfait contre les cibles lentes et massives, gourmand munitions, gardez la tronçonneuse à portée de main. Amélioration, récupération rapide, transformation accélérée à toute vitesse. Maîtrise, salve améliorée. Club des 5. Maîtrise, club des 5. C'est quoi cette vieille blague? Ok, filme-moi. Zoomer activated. Un petit pain. Tu veux que je le mette moi-même? Attends. Un petit pain? Ah, mais c'est à Vega alors, du coup. Ok. Oh! Oh! Ok. Oh, ok, donc ça c'est les zombie soldiers qui ressemblent extrêmement aux zombie soldiers en fait de base qui étaient dans le jeu original.
Voilà, impeccable. Ok. Merde, je devrais pas autant les tailler. J'ai pas encore les réflexes. Bon, si jamais c'est trop la merde au niveau et que je m'en prends plein la gueule, j'hésiterai pas à changer la difficulté, hein. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je reste un lâche. I'm a coward too. Voilà, PK. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ouais, tac. Et tac, impeccable. Encore. Fanny, c'est un merde. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu vas où? Il y a un petit head bobbing. Un tout petit peu, ouais. Un tout petit peu. Attendre la chambre de Dig Nilox. Ça va d'ailleurs niveau fluidité, c'est bon? Vous êtes tranquille? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de la... Oui, du coup, non, je peux pas m'accroupir, je suis con. C'est de la vie, ça? C'est des petites fioles de vie à l'ancienne? C'est pas mal. Je t'ai fini, toi? Au fond, mais je t'ai désintégré, ok. PK, ouais, c'est parfait. Ok, ça marche. Donc, on voit direct que dans le level design, ils ont pris une approche qui est beaucoup plus arena, enfin, qui est toujours autant arena que 2016. Ça se voit au jump pad, ça se voit au placement des munitions, etc. J'ai limite l'impression d'être dans un match multi, en fait. Dans pas mal de d'aspects différents. Et tiens, d'ailleurs, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que c'est, ça? Donc, ils nous mettent carrément, j'ai l'impression, dans la légende. Afficher la légende. Bah oui, mais c'est quoi, ça, du coup? Je sais pas, ils nous mettent carrément, j'ai l'impression, quand il y a des arènes, en fait. Quand tu te lades en arène, ils te l'écrivent. En 160p, je comprends rien, ça explose, mais ok. Ok, je vais juste voir un truc, parce que j'ai oublié, je crois. Ouais, regarde, y a un truc là-bas. Là. Ici. Là. Que se passe-t-il? C'est où? Ah. On n'oublie pas de secret, jamais. Je vais essayer d'en trouver un maximum. Après, si c'est beaucoup trop au détriment du stream, je les choperai pas tous. Mais tant que je peux, je vais essayer de les choper. Attends, je vais baisser un petit peu le son, voilà. Parce que sinon, je m'entends gueuler. Non, oh la vache, comment c'est vénère, mec. Il y a des gens, ils sont dans le décès. Ah, mais ils bougent. Ça va, les gars? Bah ouais, non, c'est pas top. J'avoue, vous ne devez pas passer une super journée, mais moi, ça va, en tout cas. Tous ces gros trucs qui flottent, ça fait décaler, je trouve. Ouais, c'est pas top. C'est même un peu de la merde. En vrai, je pense que je vais le refaire parce que... Bah, je sais pas, je trouve que vraiment, avoir des trucs qui flottent... Est-ce que c'est vraiment la peine, quoi, tu vois? Oh, les pauvres, bah oui. Oh, merci, Pampa, pour le host, et merci beaucoup, mec. T'es arrivé au moment où je deviens un adulte, en fait. C'est très fidèle au Doom d'origine pour l'instant, j'ai l'impression. Non, mais bien sûr, ils ont vraiment mis un point d'orgue à rester fidèle au Doom d'origine et surtout à essayer de gommer les imperfections qu'avait Doom 2016, notamment dans son combat. Je sais pas si vous l'avez vu là tout de suite, mais il a fallu quand même que je fasse un petit peu attention à ce que je faisais. Bon, je suis toujours en ultra-violence, mais il a fallu que je fasse au moins un petit peu attention à ce que je foutais. Et par contre, je sais pas comment passer au secret en bas. Je vais vous admettre que j'ai aucune idée. Vous voulez que je vérifie quand même? Attends, on va quand même s'assurer qu'il y a vraiment aucun passage. Par au-dessus, par... c'est quoi, ça, par exemple? Ça c'est de la merde, ça. Ça, on peut passer, très bien. Je vérifie juste vite fait. Je pense que c'est un truc qu'on aurait pu passer peut-être avant d'éclater ça, non? Il y a moyen que je me suis softlock, en fait. Voilà. Oh, les secrets. Tu m'auras pas, je vais te trouver. Béjour. Trop mignon. Attends, codex. Piétaille, la piétaille, ok, zombie. Ça, c'est mignon. Ils sont adorables, par contre, des soldats, ouais, du coup, il y a les soldiers. Et j'ai pas chopé de... Si? Secret? Il y a des zones secrètes, ouais, t'es en train de m'expliquer qu'il y a des zones secrètes, très bien. C'est tout? Je peux pas avoir le truc? Bon, c'est pas grave. On verra peut-être plus tard. Mais en plus, je pense que du coup, il va y en avoir pour tous les zombies différents. Enfin, pour tous les ennemis différents. Et je vais où, là? Attends, je suis paumé. Je me suis paumé. Je suis désolé, je me suis paumé. Va y en avoir pour tous les monstres. Et j'ai vraiment hâte de voir le jouet... Cacodemon. Je pense qu'il va être adorable. Allez, c'est-y pas.
Je vais baisser un tout petit peu ma sensibilité souris. Voilà, on va passer, je pense, à 30, ça devrait être pas mal. T'as même la gestion de la sensibilité verticale. Je vous rappelle que quand Hugo Martin a teasé le jeu, il a dit que vous n'auriez plus aucune raison de retourner sur Doom 2016 après avoir joué à Doom Eternal. Là, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais je pense qu'il a vraiment raison, il a pas eu tort du tout. Est-ce qu'on peut voir ici sur le codex? Ok, objets trouvés, donc il y en a des milliers. Ils sont pas tous marqués encore, ou alors je les ai déjà eu dans cette section. Mais ils seront marqués, je pense, de toute façon. Armée infernale. On va lire, on est là pour lire, donc... Le jouet Cacodémon avec ou le sang de trou des fesses? Il en a deux trous des fesses, mec. Jugé sur de tout puissants esclaves, les prêtres de l'enfer supervisèrent l'invasion du monde mortel. Les esclaves titans du monde souterrain. Donc je pense que les esclaves, c'est ce qu'on a vu qui ressemblait au à l'Icon of Sin gigantesque qu'il y avait dans le trailer. Transportant les temples des prêtres au plus près des combats, offrant ainsi à ces derniers les emplacements stratégiques idéal pour veiller au bon déroulement de l'invasion. Du haut de leurs temples, les prêtres pouvaient envoyer de puissantes ondes psioniques pour coordonner au mieux l'assaut des forces chaotiques de l'enfer et améliorer leur efficacité au combat. L'esclave à la résistance supérieure se révéla indestructible face à l'armement conventionnel des forces de défense de l'ARC. Seule la coupure du lien psychokinétique avec le prêtre pouvait neutraliser le titan, une opération possible uniquement en infiltrant le temple lui-même. Tiens, 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 tiens. Allez, mon gars. Oh, oh. Ah, mais c'est ça qu'on est en train de faire, en fait. On est en train de... Ah ouais. Qu'est-ce que... Il l'a enculé. Il en a transformé de la pâte à proutre. Ouais, ok, d'accord. Allez, punt-le, fais la transformation, mec. Ah, mais on est dans un temple. C'est pour ça on est debout sur un titan. On est sur un titan, c'est pour ça que ça bouge. Je suis sûr, si on se retourne... Non, il était juste à côté. Oh la vache. Premier prêtre de l'enfer est exécuté. L'emprise terrestre de okay. A réduit de 36,8%. Donc on était là. Il nous a posé, j'ai l'impression, en fait. Oh, Cacodémon. Bonjour. Bonjour. Viens, viens voir. Viens voir. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Bon, pour l'instant, ça a l'air de passer, même en environnement urbain. Attendez. Oh, ok, des mécas. Donc ça, c'est des mécas de l'ARC, donc c'est la force de défense terrestre, j'imagine. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une main d'un méca, ça. Mais c'est un méca qui est super, super grand, ça. Oh, purée de pommes de terre. Oh, la vache. Oh, oh, mon Dieu. Non, Didiou. Oh, purée de pommes de terre. Ouais, donc ça, c'est les sigils qu'ils ont foutus pour contrôler plus facilement le bordel. Dis-moi qu'on va voir des mechas de 150 mètres de haut. Mais écoute, maintenant, en voyant cette mana, je me dis que c'est pas forcément... merde, à chaque fois, je me cours. C'est pas forcément étrange de s'imaginer qu'il va y avoir des combats mecha contre titan. C'est possible, c'est réalisable. De temps en temps, le jeu devient un peu flou, mais c'est parce qu'il essaye de changer un peu la résolution pour garder un framerate de 60. Donc, ouf. Ok, fais voir. Population humaine restante, ok. Environ 60% de la planète ont été consumés par les démons et ce taux s'accroît de jour en jour. La majorité de la population est morte pendant le premier mois de l'invasion infernale suite à la panne généralisée de tous les systèmes conçus par l'homme et le coronavirus. La réponse militaire terrestre fut immédiate mais ne put offrir un lieu sûr pour les civils et les quelques endroits fortifiés se retrouvaient rapidement sans aucun moyen de communication. Face à la menace grandissante, ces forteresses de fortune finirent par tomber les unes après les autres aux mains des démons. Pratiquement toute la surface de la Terre est désormais inhabitable en raison des démons qui la parcourent et l'atmosphère est devenue empoisonnée et irrespirable en raison d'un processus de terraformation. Putain, essayez de terraformer notre belle Terre. Ah non, jamais. Mec, si terraforme la Bretagne, je vais leur péter la gueule. Toujours sur le shotgun, donc, hein, on part sur ça, très bien. Bah écoute, j'ai pas vraiment le choix, j'imagine. Ils vont nous expliquer qu'on peut changer de module en appuyant par exemple sur R. La pomme de terre est dans mon futal, je parle même plus, mec, je veux juste regarder. Je crois que ça, c'est qui nous attend en décembre de cette année au rythme où 2020 va. Ouais, peut-être, on verra bien. Non, c'est F. C'est plus R. Je sais pas ce que c'est. Ah, R, ça doit être le lance-truc, en fait. On a un lance-truc, et je pense que ça doit être R, la touche. Indicateur d'objectif. Ouais, bon, bah, ça va, je suis pas non plus un inconscient. Ok, avec A, avec Alt, on peut voir un autre objectif. Putain, j'aime trop comment ils ont...
comment ils ont arrangé, si tu veux, le coin pour que ça soit très hell-like. Tiens, c'est quoi, on va tester ça vite fait. Non, c'est ça que je voulais tester. Attention. Oh. Tout ça pour ça. Oh, ça c'est un méca. Ça c'est un méca, mon gars. Oh mec. Ça c'est la RC, je pense, hein. J'imagine. Oh, purée de pommes de terre. C'est quoi qui tire? C'est des copains, ça? Ah non, c'est de l'infighting. Ben oui, ils sont en train de se battre démon contre démon. Ils ont gardé l'infighting, mais du coup, ils ont mis un vrai point d'orgue dessus où vraiment il y a des bastons qui commencent alors qu'on n'est pas là, quoi. Haha, bande de cons. Crook. Ah bah, ouais, nique ta mère, voilà, exactement. Comment on a perdu avec des mechas? Mais t'as vu le bordel qu'ils ont? Attends, ça on verra plus tard, hein, bouge pas. Bonjour monsieur le 1. Tac, nique ta mère. Je connais qu'ils vont devoir changer de quel but avant d'aller dormir. Ouais, là, pour le coup, attends. Oh, oh putain. Oh, le feeling des armes, sa mère. Il est parfait. En plus, c'est marrant, ils nous ont fait vraiment start avec un shotgun, quoi. Il y a aucune autre arme. N'oublie pas de check la map pour voir les secrets, bien sûr. Par exemple, celui-là. Eh oui, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, pour le nombre de playthroughs que je vais faire du jeu, à mon avis, je pense qu'on peut se permettre. Point faible. Oh, déjà de l'arachnotron. Certains démons ont des points faibles qui peuvent être touchés pour infliger des dégâts supplémentaires ou même désactiver leurs capacités. Leur point faible clignote en rouge une fois endommagé. L'arachnotron est un démon massif attaquant à distance. Sa tourelle est un point faible qui peut être détruit afin d'empêcher d'utiliser cette attaque à distance. Nanana. D'accord. Ok. Oh là là, c'est le tout de beauté. Oh putain, je l'ai enculé, mon gars. Donc on part là-dessus? Ok, ok, on part là-dessus, mon gars. Non, il attend pas, le jeu a vraiment pas envie de palabrer. Toi, par contre, tu vas claquer ta mère. Voilà, impeccable, je vais me remettre. Ok. C'est chaud niveau munitions, poteau. En plus, c'est pas comme si je l'utilisais tout le temps n'importe comment, tu vois ce que je veux dire. Je suis quelqu'un de très précis. Ça va les mecs? Ah. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est un fusil d'assaut? Toi, ta gueule. Oh, il lui a enfoncé... Oh, la vache. Il lui a enfoncé la gueule. Les pauvres. Oh, ce qu'ils en prennent, mec. Grosse crise d'épilepsie. C'est chaud à suivre ou quoi pour vous? Sinon, c'est pas grave, hein, je vais y jouer de mon côté en plein écran, sans problème. Pas de problème. Le feeling du fusil, tu vas voir. Ouais, j'ai hâte. Est-ce qu'il y a des secrets ici? Non, aucun? Très bien. La tronçonneuse recharge toute seule. La tronçonneuse recharge. Je crois qu'ils nous disent même pas quand la tronçonneuse recharge, en fait. Pétaille. Cacodemon. Arachnotron, on a déjà le Cacodemon? Ils ont l'air blasés! Regarde comment il a. Ouais, bah écoute, je flotte, ça fait 4 ans que je flotte maintenant. Piou, ouais, bah super, quoi. C'est un bonheur à suivre, c'est vrai? Bon, ok, d'accord. Dites-moi, vraiment, tenez-moi au courant si jamais il y a des trucs que je peux modifier, peut-être. Il a des petits bras. Oui, ils ont des petits bras dans cette version. Roue de sélection. Non, non, je crois pas. Je crois pas, non. Tu me laisses mes tout. Oh. Attends, on va attendre des ennemis pour voir un petit peu ce qu'il donne, ce fusil. Ah, des vraies arènes, quoi. C'est quoi? Ah bah voilà, l'automap, du coup, non? Si, ça, c'est l'automap. Et du coup, ça... Voilà. Trouvez une station carte graphique pour permettre de révéler les zones non découvertes de la carte. Vous pouvez consulter la carte dans l'objet carte. Votre carte, les objets de valeur. Ok, et du coup, là, voilà, on voit toute notre carte jusqu'à la fin, en fait. Ça va être un très gros E1 M1. Mais ça a l'air très sympathique comme tout.
C'est parfait, Russiane, t'es le meilleur streamer français et Doom Eternal le meilleur jeu. Putain, enfin tu dis des choses qui sont un peu vraies, quoi, parce que putain, d'habitude, tu nous tiens pas à ça. Oh ouais. C'est pas du tout un fusil d'assaut, c'est un fusil lourd. Oh putain. Oh, ils partent en saut mort, sa mère. Mec, ils partent juste en morceaux. Attends, je vais juste faire un truc. Ah, le bolter, ouais, c'est ça, ouais. Oh la vache, mec. Oh. Nique ta race, là. J'ai hâte de voir les améliorations, du coup, qu'ils vont nous donner avec ça. Attends. Mec, mais je les transforme tous en pâte à croûte. Par contre, je vois la résolution adaptative qui fait ce qu'il peut pour me garder aux 60 fps. Et du coup, c'est un petit peu flou. Le jeu est un petit peu flou de temps en temps, mais c'est vraiment... Enfin, déjà, ça doit pas être vraiment repérable pour vous. Et pour moi, ça reste plus ou moins un délice. Donc, ok, donc je vais faire péter ça. Maintenant, on peut lui virer les canons qu'il a sur les côtés. J'irai bien. Voilà. Oh. Bébé. Ta gueule, toi. Putain. Mick Gordon, mon gars, il a bûché. Il a mis bouché double. Ouais, de ouf. Mec, c'est super joli ce que t'as créé. Hein. Là, je vois pas, mais en tout cas, quand les vitrines sont propres, j'imagine que ça doit être vraiment impressionnant, quoi. T'inquiète, je comprends, je vois rien, j'entends juste bruit de flingue, mec, qui meurt. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi le Doomslayer, hein. Y'a personne en bas, là. Hein. Munition épuisée, ok, d'accord. Peut-être que je fasse un peu plus gaffe, du coup. Oh la vache. Ok. Et à quel point ça me remplit de munitions? Je sais pas, je m'en rends pas trop compte. Il y avait une élimination dans Doom 2016 où il fauchait un mec pareil et il l'éclatait, tu vois. Mais il lui mettait pas un pain qui lui fait faire un triple salto, donc ça franchement je suis content qu'il l'ait amélioré. Est-ce que tu penses que je peux... Pas du tout. T'avais 40 balles de fusil quand tu l'as ramassé. Ouais c'est ça, donc ça j'ai l'impression que ça me fout la moitié de mes munitions en fait. J'aimerais bien savoir où est-ce que je peux passer pour choper ce secret là-bas. Tu penses que c'est par derrière? Mon ami, c'est par derrière. Je veux pas rester, juste un coucou. Je vous souhaite du bon slashage de démons. Merci beaucoup, l'Autriche. Merci de passer quand même, les gars. Et coucou, Esfol. Comment ça va? Parce que moi, bah, ça va pas top. Ah, mais oui, non, mais si, putain, Russienne, concentre-toi un petit peu, quoi. Ça va pas être simple, hein, si t'arrives pas à lire le level design. Voilà. Ça va être quoi, s'il vous plaît? Une statue de Kakodimon. Une statue de Kakodimon. Un imp. Ah, il est adorable. Mais ils vont tellement en sortir des statues comme ça, mon gars. Comme quand ils ont sorti, de toute façon, l'espèce de Funko du Doomguy. Tac. Population humaine. Bien que plusieurs centaines de milliers de personnes réussissent à évacuer et quittent l'orbite terrestre au cours de l'exode, leurs chances de survie sont considérées comme quasiment nulles, car de nombreux vaisseaux n'abritent que des passagers cryogénisés. L'iconographie et les communautés religieuses sont désormais courantes chez les survivants, en raison de la perception collective biblique des événements. De nombreux humains cherchent l'explication divine pour rationaliser la destruction soudaine de leur monde, et pensent que ces événements représentent une forme de punition divine. Ah! Qu'est-ce que c'est du coup? Les vies supplémentaires vous ressuscitent si votre santé tombe à zéro. Vous n'avez plus de vie supplémentaire avec ça, vous devez charger votre dernier... Ah ouais, d'accord. Ok, donc on a des revives en fait. Ok, c'est marrant ça, c'est couillu. Les gars. Oh la vache. Tiens, celle-là, les cadeaux. Ok. J'ai explication divine, poteau, Doomguy, c'est juste Jésus qui vient sauver le monde. T'es vraiment trop vénère pour crever pour le coup. Bah écoute, j'imagine que s'ils ont fait des choses comme ça,
C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des trucs à nous foutre sur la gueule, donc je pense pas que ça va être non plus facile. Mais on va faire ce qu'il faut. Ouais, donc c'est bien ça, les petites fioles, c'est des fioles de vie. Je peux aller sur deux. Non, je peux pas. C'est ça, je peux pas. Attends. Je vais juste voir si je peux aller sur ce lampadaire ou pas. Bon, j'arrive pas. Ok. C'est dans le lore que t'es trop... Ah oui, carrément accès jaune. Ok, d'accord. Maintenant, c'est plus juste... il te montre un petit peu la carte qu'il faut ou une couleur, c'est marqué. Prends la carte à l'accès jaune, Jean-Michel Dungui. Oh, putain, mec. Ce méca. Cette ambiance. L'ambiance. J'aime vraiment pas l'idée du one-up, personnellement. Ah ouais, personnellement, j'aime bien. Je sais pas, pour l'instant, si tu veux, enfin... C'est un élément de gameplay, y a rien d'autre, c'était dans un truc caché, c'est littéralement juste du videogame. Et je pense que de toute façon, au fur et à mesure que les jeux sont sortis et qu'on est avancé un petit peu dans le milieu, dans le médium, on a perdu un petit peu ce sentiment de... Bah c'est un jeu vidéo quoi, donc écoute, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ouh la vache! Mec, enfin, ils ont aucune chance, quoi. C'est quoi? Ah, putain, voilà, c'est un titan. Un titan qui balade un temple de sataniste. C'est ça? Ouais, il le fout sur son dos, ouais, c'est ça. Donc c'est bien ça qu'on voyait tout à l'heure, ça bougeait parce qu'on était littéralement dans un... Ouais, je sais. On était littéralement dans un vaisseau, quoi, en fait. C'est Atlas, ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai loupé des trucs ou pas? Tu penses? Il est pas top leur la façon dont ça se contrôle, ça. J'aime pas. C'est pas super. Il y a un autre one-up là-bas, on va le chercher. Du coup, j'ai peur que le one-up ce soit un cache-misère pour une difficulté mal gérée, mais bon, c'est vraiment pas fondé comme peur. Je pense qu'on verra. Je peux comprendre. Maintenant, le one-up, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a vu au dev. Au dev, même dans les premières images du jeu. Je pense que c'était quand même relativement informé comme choix. Attends, est-ce qu'on peut voir? On peut voir comment il escalade? Attends, je veux juste voir. Oh ah oui, du coup, dans cette tenue de Praetor, je sais pas si vous voyez, mais on voit bien ses biceps et ses avant-bras. C'est pas la tenue de Praetor qu'on avait dans Doom 2016 où il était entièrement couvert. Là, on voit ses putains de biceps. Donc déjà, c'est quelque chose, tu vois. Déjà, c'est quelque chose. J'espère aussi, hein, comme tu dis, que le one-up ce soit pas montre de faiblesse de gameplay ou de difficulté. Mais le truc, c'est que je pense que ils ont vraiment fait en sorte que la difficulté soit, j'ai pas envie de dire plus adaptative, mais qu'elle soit dosée dans le sens où tu peux pas non plus cheese tous les ennemis. Il va falloir apprendre. Le jeu a envie de te forcer à apprendre. Et bah écoute, pour les imps, tu prends. T'as deux munitions de shotgun qu'il faut utiliser, ou une munition de shotgun. Pour ces connards là. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, c'est marrant, c'est un puzzle. Donc vous, ça vous fait rien quoi? Ah, super, non, je le prends pas mal, hein. Je le prends pas mal. Qu'est-ce que t'as toi? Tiens, mange ta mère. Tac. Salut les gars. Ça va? Oui, bah oui, ouais, je t'ai buté avec un coup de poing, mec, donc forcément, il faut. À un moment, remettons en question, quoi. Voilà. Voilà. Et en gros, le jeu va t'apprendre par pattern, va t'apprendre au fur et à mesure à le gérer. Et tu pourras pas juste jouer de la façon. De toute façon, on l'avait écouté, hein, mais c'est juste que je résume pour ceux qui avaient pas entendu le discours de Hugo Martin à propos du gameplay et de l'ajustement dans Doom Eternal. Mais tu pourras plus juste te balader, aller jusque devant un ennemi, lui foutre un coup de super shotgun et basta, tu vois. Ça marche plus. Et c'est quoi ça? Attends, qu'est-ce que c'est? C'est des tourelles ou c'est des... J'arrive pas bien à comprendre ce que c'est en fait. Si c'est un monstre mort qui tire encore ou tu vois, je sais pas. Oh la vache, la raconte-t-on. Je peux pas, j'ai pas assez de carburant. Oh la vache, j'ai mangé très cher, j'ai plus de munitions d'ailleurs. Ça c'est marrant, comment je vais faire? Va falloir que je réussisse. Oh la vache, ça va être chaud du cul, poteau. 12 PV, s'il te plaît. Voilà. Non. Ah bah voilà, one up du coup. Ouais, s'il te plaît.
Oh, ok. Putain, c'est R2 dans Doom. De ouf. Ah, c'est stressant. Hein. Du coup, voilà, j'ai utilisé un one-up. Mais j'ai l'impression que comme tu claques assez... Après, ouais, je le répète, je suis en ultra-violence. C'est pas la difficulté la plus haute. Oh, le backbreaker, t'enculé qu'il a fait. Mec, il y avait aucun respect. Il y avait aucun respect dans ce backbreaker. Ah, il les aime pas. C'est quoi, c'est des restes de Cacodemon en fait, avec des gros yeux. Ouais, on dirait des piles de Cacodemon en fait. Ou alors c'est juste un reste parasite. Ah, des gueux. Lèche pour voir. Ostéodoum. Ah, ça va là. Ouais, c'est bon. Ah, non, c'est bon, c'est débloqué. Ouais. Ok, alors voyons voir. Bah du coup là je peux plus rien rajouter, on est d'accord. Et ensuite lunettes de précision ou micro-missiles. Ah bah ok, c'est les mêmes que les autres. Permet de zoomer pour plus de précision, les tirs peuvent transpercer les démons à faillir, infligent des dégâts supplémentaires au point faible. Parfait pour décimer une horde de démons, missiles à tête chercheuse, je peux consommer toutes vos munitions, alors faites attention. Allez, on va prendre un micro-missile. C'est, je prenais toujours les micro-missiles sur Doom 2016 aussi, mais quitte à faire... allez hop. Digne de Rupert, ah bah ouais. Zip, zip, zoup. C'est canon hein, ce que je fais. Hein. Doomguy aime bien jouer avec ses guns. Ah, j'aime bien ce gun. T'es énorme. Tu dois avoir des boyaux énormes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, bah voilà. Grenade à fragmentation. Ok. Contrôle gauche pour lancer une grenade qui explosera en touchant le sol. Donc je pense que... Je pense que le truc c'est que... R... Ça doit être pour le lance-flamme, et contrôle gauche, c'est pour la grenade. Point faible, Cacodemon. Oh, yes. T'as eu ? Oh, trop mignon. Je suis avec le lance-grenade, ok. J'ai sauté deux fois déjà. J'aurais dû me laisser porter par le script. Voilà, comme ça. Impeccable, voilà. Les gars, vous battez pas, il y en aura pour tout le monde, ta race. Mange celle-là, toi. Oh, il a déchiré la gueule littéralement. Oh mec. Oh, on n'a pas fini de se fendre la gueule sur ce truc là, je te le dis mon gars. Ah, toi je te prends direct. Yes. Ah bah oui non mais... Micromissile. Oh, ce fusil d'assaut, mon gars. Ils ont dû se rendre compte des faiblesses du fusil d'assaut dans Doom 2016, mon gars, et en faire juste... C'est un bolter, en fait. C'est clairement juste un bolter. Avec les micro-missiles. C'est n'importe quoi. Je te dis, ça me fera jamais rire quand ils sont... Oh, bah merde, j'ai la batte dans mes épaules. Tiens, connard. Dans sa brutalité, Doomguy a quand même une âme d'enfant. Après tout, il ramasse des jouets, quand même. Bah, écoute, il a une âme d'enfant, il... Il a son lapin, Daisy, quand même, qu'il aime beaucoup. Je pense qu'il y aura une référence à elle dans... dans le jeu, de toute façon, ça c'est obligé. Oh. Je sais pas si vous l'entendez là dans la chanson, mais on entend les chœurs. Du coup, vous avez certainement tous vu les vidéos de préparation de la musique de Mick Gordon pour le jeu. Mais en gros, il a créé un genre de chœur... Avec uniquement des chanteurs de métal. Avec des connus en plus, hein. Et merde, faut que j'utilise ça pour lui. Ferme ta gueule. Toi, ferme ta gueule. Il est où le... Il est mort, l'arachnotron ? Ok. Et du coup, on entend là le cœur de métal. Je sais pas si je... Oui, non, je dois être censé rester ici, hein. Je dois être... C'est le script, on attend la fin du script. On est... Oh ok, y a, enfin, vraiment les mecs ils taillent des méchants sans aucune difficulté. C'est marrant du coup que maintenant on ait des vrais cutscenes. Ta gueule toi. Dis donc, que tu te prends. On n'est pas le monopole de la souffrance. Tiens, ferme ta gueule toi aussi. Munitions faibles encore. Attends, viens voir, j'ai un truc à te montrer. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bouge pas, voilà, tu restes là. Merci, impeccable.
J'ai envie de le démembrer. Yes. Oh. Oh mec. En plus, il est des fois le Doom Slayer, il est vraiment bâtard en fait. Bah, voilà. Il est vraiment bâtard en fait. C'est un connard. C'est un connard. J'ai peur que le jeu soit fanservice à outrance. Alors donc t'avais peur des one-up, maintenant t'as peur que le jeu soit du fanservice, t'as pas envie de t'amuser en fait. J'ai peur qu'il soit un peu violent quand même le jeu, je sais pas. C'est fluide là le gameplay ou quoi? Putain, j'ai l'impression que qu'il rame sur OBS. Vous me dites sinon le problème c'est que le jeu il tourne sur Vulkan et du coup j'ai pas pu le capturer comme je fais d'habitude. Vous me dites sinon c'est bon, on a du 30 FPS. Ouais c'est bon 30 FPS normal hein. Putain la vache. Je sais pas, c'est chelou. C'est vrai, il y a... Ça fout la merde ou pas? Là, c'est 30 FPS ou pas? Dis-moi, hein. Enfin, en tout cas, sur le retour OBS, c'est pas fluide. Et ça me paraît vraiment bizarre. Je suis un poil en dessous des 30 FPS, c'est vrai? 30 FPS, bah ouais. Attends, fais voir. Fais voir un truc. Je crois que j'ai mes statistiques, là. Est-ce que je peux voir FPS 30? Non, l'output est bien en 30 FPS, j'ai l'impression, mais sur mon retour, ça l'est pas. Il y a plein de détails, donc c'est chaud à suivre. Ouais, ok. Bon, bah, en tout cas, tenez-moi au courant de l'avancement des... l'avancement du truc. Si le stream passe bien, et qu'au pire, à l'enregistrement, ça passe bien, est-ce que c'est pas l'important? Oh, ils veulent te manger maintenant! Ah voilà. Crac. Ah, j'adore. Joy, t'inquiète nous pour ça. Ok, c'est très gentil de ta part. C'est très urbain, je dirais même. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu penses pas que je peux m'accrocher là-dessus là? Non, ça va. J'ai juste mis un pain dans l'escalier, mais écoute. Ok, je veux vraiment juste rien louper et j'ai envie d'admirer un petit peu le truc. Ça me fait penser à la guerre des mondes, ça. Je pense qu'en fait, c'est pas des résilis quoi que ce soit, c'est juste que c'est leur marque pour le terraforming. Je pense que c'est comme ça qu'ils le font. Putain, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Attends, on va regarder un peu. Qu'est-ce que c'est ça là? C'est quoi? T'entends le bruit de ballon de baudruche qui éclate en... Ouais, quand t'éclates un cacodyme, carrément, ça fait... Je sais pas ce que c'est ça, mais ça a l'air complètement vénère. La guerre des mondes, oh là là, voilà, voilà mon cauchemar de gosse. Ouais, il est assez terrifiant quand tu le mates quand t'es petit. Je peux comprendre, on l'a rematé il y a pas longtemps, évidemment c'est pas la même limonade, hein, mais c'est vrai que quand j'étais gamin, c'est pareil, j'en menais pas trop large devant le film. Je sais pas là. Tu crois que je peux monter là? Ça a l'air d'être montable ou pas? J'ai pas l'impression. J'ai pas envie de me retrouver. Ah, ça c'est montable ça. Mais je peux pas accéder jusque là-bas. Qu'est-ce que... Si, saute, allez, je crois. À mon avis, non. Ah, si. Et du coup, on peut faire des trucs à la... Genre, si je fais ça, là. Voilà. À la Prince of Persia, à moitié. Ah, je m'en bats les coups du feu. Ça ne m'intéresse pas. Je vais aller prendre ça, quand même. Salut, toi. Par exemple, ça c'est des données qu'il faut apprendre par cœur, tu vois. T'es pas obligé d'utiliser beaucoup de munitions sur un imp ou sur un undead. Tu te... Oh, je suis désolé, mais ça c'est vraiment méchant. Ça c'est vraiment un truc de malotru. Qu'est-ce que c'est ici? Ok, donc on est en train de rentrer dans le métro là. Ok. Je suis désolé si je prends du temps à tout regarder, mais enfin. Peu importe mes devoirs de streamer. Tentacule. Tous les trous à tentacules n'en contiennent pas forcément un. Sujet d'une étroite observation de la part des scientifiques de l'ARC sur Terre, les formations infernales sont apparues sur toute la planète, s'installant partout où l'enfer s'était fait connaître. Formant des schémas structurels chaotiques, voire aléatoires, la propagation de ces tumeurs infernales se fait à un rythme inquiétant. Les scientifiques de l'ARC craignent même que leur cycle de reproduction cellulaire devienne bientôt impossible à contenir. Elles rendent l'environnement extrêmement hostile à toute vie terrestre, oui j'imagine, ouais. Produisant des agents contagieux et une multitude de dangers organiques. Partout où ces formations émergent, elles sont protégées par des essaims de vrilles défensives, des tentacules aux longues épines, surveillant aux alentours et étripant tout ce qui ressemble à une menace pour le nid. Ok. Bah alors.
Mec, ils éclatent en morceaux quand tu leur fous quelques munitions. Je sais pas si tu vois, en fait, les balles. Regarde les balles quand elles partent. C'est... Bon, bah là, ok. Elles sont vraiment énormes. Les balles sont énormes. Ok, va y avoir 2-3 trucs. Ah non, c'est quoi? Interrompre le conseil des digs. Ok. Et du coup, les digs, ou les DAG, je sais pas, les digs, j'imagine. C'est le rôle, en fait, des connards. Ah, putain, c'est bâtard. Mec, c'est extrêmement malotru. Du coup, j'ai peur pour rien, regarde. Bibabou. Merde, putain, ma grenade. J'avais oublié que contrôle, ça faisait une grenade. Leur peau s'enlève, ouais, c'est... Ah, c'est vraiment une saloperie, toi. Hein. Leur peau s'enlève. Vraiment, c'est transformé en pâte à prout à chaque fois. Un autre ici. Cacodemon. Code de triche. Les codes de triche vous permettent de rejouer une mission depuis l'écran de choix de mission en modifiant, exemple, munitions illimitées, toutes les runes. D'accord, jouer avec des codes de triche n'empêche pas une progression normale. Revisez les missions pour trouver les objets que vous auriez manqués, gagner plus de confrontations et expérimenter avec des armes et une amélioration. Par contre, Ne me donne pas un cheat de vie infinie, s'il te plaît, enfin... J'estime qu'on se connaît un petit peu maintenant, Doom, et t'es pas obligé, quoi. Ils ont expliqué que c'était juste pour pas avoir juste des couloirs à la con entre les arènes, ouais, bien sûr. Ça, par contre, ça m'avait un petit peu inquiété. Je me dis, enfin... Les gars, c'est peut-être pas la peine non plus de forcer trop, enfin, dans Doom 2016, certes, il y avait des moments un petit peu de vide, mais c'était pas au détriment du jeu. Ouf. C'était pas au détriment du jeu, et ça permettait d'avoir une espèce de setting, de mood. Je pense que là, pour le coup, ils partent bien moins sur le mood que dans Doom 2016, hein. Mais c'était pas au détriment de l'ambiance du jeu. Et là, j'ai l'impression que... Enfin, quand ils ont dit ça à propos des tentacules, je me suis dit, ils veulent vraiment forcer, quoi. Ils veulent forcer dans le sens où... la baston ou pas la baston, hein. Et je me dis... pour l'instant, c'est pas problématique, hein, je m'en fous, hein. En plus, ils ont pas l'air d'avoir abusé, elles sont pas trop chiantes. C'est juste, ça donne un petit piquant en plus. Mais voilà, je sais pas, c'est juste une remarque que je m'étais faite quand ils l'avaient annoncé. Après, je fais un peu mon werther, là, et j'ai des inquiétudes pour que dalle. Mais bon. Tiens, ferme ta gueule. Tu laisses mon imp. Oh mec, mais il en fait des kebabs. Je suis désolé, ça se fait pas. Oh, Cacodemon. Ah la vache. Ah, ça là, ça pique. Ça me pique. Il y en a beaucoup là en fait. Il y en a beaucoup. Attends, je vais en tailler 2-3 quand même parce que là, c'est un petit peu chaud de la chauduc. Ok. Voilà. Mais même ça fait même pas, c'est au-delà du bruit de ballon de baudruche, ça fait une espèce de bruit bouchon de bouteille de merde. Voilà, tranquillos ça, tranquillos. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Ok. Le bordel, ouais, ça chie un petit peu, je suis désolé. Et puis je peux pas trop me permettre de faire les caméras E3, genre... Ah, bon bah c'est fini. Caméra à l'E3, genre je regarde lentement autour de moi. Oh mon dieu. Je suis le Doom Slayer. J'aime le parmesan et les petits lapins. Et bip. Tu vois, je peux pas vraiment me permettre de faire ça. Est-ce que je peux? Yes, ok. Il y a un truc à fouiller là-dedans. Là. Ah, ça a fouillé dur là. Oh putain, il y a l'ascenseur. Je suis désolé. Oh la f... Ah, ça l'a pas fini, n'empêche. Une munition explosive n'est pas suffisante. Putain, mais même l'armure, elle a des abdos. Voilà, impeccable. Ça reste fluide en plus, c'est vrai. En tout cas, pour moi, ça reste fluide aussi. Ouh, un petit one-up. Impeccable, vie supplémentaire. J'avais pas autre chose. Non, c'est ça le secret. Ok, d'accord. That was of the secret. Ok. Quelle émission, elle est assez longue, c'est sympa. Et en plus, j'avoue qu'il y a un schéma que j'aime beaucoup dans les jeux, c'est quand t'as des missions et un retour au bercail. Compte tenu qu'il n'y ait pas de monde ouvert, hein, bien sûr. Mais j'aime bien le fait que ouais, tu puisses retourner chez Watt et choisir ta mission. En fait, j'aime bien ce côté scindé comme ça me dérange pas du tout. Quality Excellence Award. C'est des vrais gens, ça.
Est-ce qu'on recollait des noms là? Ça me dit rien, vous en connaissez vous? Je connais personne moi. Peut-être des gens qui sont morts pendant la production. Dash Diner! Give me your money, get taco! Tacos! Y'a rien d'autre là? Bonjour? Oubliez le futur. Le vrai présent est dans la souffrance. Ah, mais c'est eux qui disent veuillez éviter de parler des démons en tant que undead. Et dites plutôt Mortally Challenged, je crois. Regardez tous. Bon, allez, on se casse. C'est parti. Allez, du monde. Lui, je lui ai arraché les pattes. Il y en avait un là, non? Non, on peut pas. Tac. C'est vraiment des potions bleues maintenant à la santé. Pas tout le temps. Il y a aussi des health packs, mais effectuer 33 de glory kill unique à un seul. Merde, j'ai pas regardé. J'ai fait un truc, mais je sais pas quoi. Ah, comment il l'a fendu, mec! Mais attends, parce que ça me stresse là, attends, je comprends pas. Enfin, quand t'as mis Gordon, tu fous le son à fond, enfin, je comprends pas le délire là. Putain, il s'est goinfré l'enculé. Ok. On sait pas ce qui s'est passé entre 2016 et Eternal, si le Doomslayer avait été renvoyé en enfer, non. On sait juste que... Non, loupé. On sait juste que Samuel Hayden a fait sa pute. Mais attends, il faut que je recommence ça. J'ai rien à one-up. Alors écoute-moi bien, toi. Oh. Mec, il fait un motif dans l'ennemi en plus. Genre, il taille comme il taille une haie. Fais-moi ça. Voilà. Oh la vache, quoi. J'essaie de fermer un petit peu ma gueule pour que vous puissiez un petit peu profiter du travail exemplaire de Mick Gordon. De toute façon, je pense que maintenant que le jeu est sorti, déjà j'arrive pas à me dire que Doom Eternal est sorti. Mais maintenant que Doom est sorti, et que la soundtrack va être en ligne, enfin si tu veux, on va vous passer que ça, en tout cas moi je vais vous passer que ça, pendant des milliers d'années. Hein. La Catmaker n'est pas loin. D'accord. Cette citadelle démoniaque, je l'affiche sur votre ATH. Tu dis si je t'emmerde, hein, Vega, hein, c'est... La Catmaker, il est pas loin. Bonjour. Je vais choper le one-up qu'il y a là. J'en ai deux encore des one-up. Mais écoute, hein, quitte à faire. Pécam. Voilà. Tranquille. Moi, j'arrive même pas à parler, j'admire. J'avoue que ça me prend un petit peu de puissance mentale d'ouvrir ma gueule sur ce que je fais. Mais ça n'en reste pas moins agréable. Ça vous plaît toujours ou pas? Putain, mais ces environnements! Déjà, les environnements des titans qu'il y avait sur... comment? Argent de Nour. Dans 2016, ils étaient incroyables. Et là, ils ont fait pareil, mais il y a des buildings! Il y a des buildings! Mec! Putain! En fait, Doom 2016, c'était vraiment la réponse pour un Doom avec une esthétique futuriste moderne. Eternal, il s'en bat les couilles. Il est vachement plus posé sur ses racines du premier jeu dans l'esthétique. Il a quand même double down justement sur l'esthétique de Doom 2016. Il est pas non plus tout seul, tranquille. Donc là, on va rentrer dans la citadelle. Ah ouais, regarde! Ouais, bisous. Bisous, Xenon. Merci d'être passé. À plus. Ciao. Et gros bisous. Allez, ya. Les prêtres de l'enfer sont rassemblés juste au-dessus de vous. Merci beaucoup, Stéphane Bern. Oh putain de sa mère. Attends. Déjà, attends, là. Voilà, ça c'est les Wraith. Ça c'est Tengen Cavalry. Je crois que c'est le chanteur de Tengen Cavalry, ça. Je crois que c'est ça le nom du...
Je crois qu'il a recruté plusieurs Stormtroopers. Ouais. J'avais jamais entendu ça aussi, ouais. Je peux passer là. Je suis désolé, hein, mais je peux passer. Oh la vache, poteau. Allez, des petits. Allez, des petites poons là. C'est une petite poons. Jujuy. Non, tu peux pas. Si j'étais millionnaire et que je pouvais faire un manoir pour moi, si tu veux, enfin, ce serait exactement ce type de décoration là, quoi. Clairement, ça c'est mon élément. Non, mais non. Le voyage rapide vous permet de téléporter vers des zones prédéterminées. Utilisez-le pour récupérer les objets supplémentaires et terminer les confrontations facultatives. Ah ouais, quand même. Le voyage rapide devient disponible vers la fin d'une mission. Ok. Non. Voilà le truc de ouf, Taï. Là, il y a un petit codex. Alors, ouh. Tiens, tiens, qu'est-ce que... Non, c'est lui avant, ça. Non. Attends. Attends. Dignilox. Dignilox est l'un des trois prêtres de l'enfer, chargé de superviser le bon déroulement de l'invasion de la Terre. Il préfère opérer à la surface de la planète, travaillant dans sa barge impie, fixée sur le dos d'un titan démoniaque. Elle lui confère une position surélevée et mobile depuis laquelle il supervise la campagne contre l'humanité. Malveillant et cruel, Nilox capture fréquemment des civils pour récolter leur sang et s'en servir dans ses rituels occultes. D'accord. Eh ben, mettons... Ok, attends, juché sur le tout-puissant esclave... Ouais, ça, on a vu, mais... On n'avait pas vu l'image de malade! Oh putain! Mon gars, ça c'est position squat. Impeccable. Parce que du coup, il y avait des images. J'avais pas vu les images. Qu'on pouvait voir vraiment les images. Donc là, il n'y en a pas. Secret, ça y a rien d'autre non plus. C'est quoi? Histoire de la Terre. Fichier l'image. D'accord, Armand Response Coalition. D'accord, Arc. C'est ça. Très bien. Ça, ok, donc ça c'est la merde à New York, c'est la merde à Los Angeles, et c'est la merde là. Nous, il y a des petites poches, mais ils ont respecté la diagonale du vide. C'est-à-dire que dans le Cantal, les mecs ils sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Les mecs ils s'occupent de ses petits moutons, ils s'occupent de ses petites vaches, et il a pas de problème, il comprend pas ce qui se passe. Oh, si c'est ça, ça fait assez de travail comme ça. Mec, t'es mal Australie. Oui, il y avait personne en Australie non plus. Je vois, c'est pourquoi, je comprends pas pourquoi. Personne en Australie, en Malaisie, etc. Nouvelle-Zélande, c'est là, je crois. Non, Madagascar, évidemment, Madagascar, ils ont pas réussi. c'est ma partie de Plague Inc, ça. Même là, Brajiu. Y a rien en Brajiu. En même temps, bon, y a que dalle là, donc c'est normal. Même l'Australie, c'est trop hardcore pour l'enfer. C'est un peu comme dans Oblivion, le fait que... comment il s'appelle, merde. Pas Molakbal. Le gars avec son plan d'Oblivion, il a même pas essayé d'ouvrir des portails à Black Marsh, parce que c'est trop la merde. Il y a du poison partout, tout le monde galère. Alors du coup, il y a des points faibles, ok. Mais tout à l'heure, je regardais un truc sur les ennemis, là. Où ça? Voilà, ça. Soldat, voilà, point faible, cartouche, faiblesse, cartouche. Un tir de shotgun à bout portant et tour de rein, un soldat tireur, faiblesse, fusil à plasma peut surcharger les boucliers énergétiques et causer une explosion. Et frappe sanglante, la frappe sanglante peut certainement détruire le bouclier énergétique. Ok. Réclamé par les ténèbres, ceux qui formaient autrefois l'infanterie de première ligne protégeant la terre de l'invasion démoniaque ont été transformés en soldats de l'enfer, s'attaquant à leurs anciens camarades au milieu du champ de bataille. Rad le tape défi en haut. Negawa. What the fuck is that? Hugo, qu'est-ce que c'est ça? Viens ici. Hugo, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux savoir ce que c'est, Hugo? Hugo, réponds-moi, Hugo. Ne m'ignore pas, Hugo. Ça va chier, Hugo. Je suis pas d'humeur, Hugo. Peut-être pour le multi après, oui c'est ça, enfin c'est même de l'XP, il y avait aussi des défis dans le genre dans le premier. Oh la vache. Ah, encule-moi. Puissant praticien des magies obscures, les prêtres détournèrent leur pouvoir pour servir leur objectif sur des enfers, pour préparer la terre au dernier rituel de sang.
au dernier rituel de sang, d'accord. Les prêtres de l'enfer étaient liés par le sang au sombre rituel qui consumait la terre. En tant que l'un d'entre eux perdurait, la consommation de la terre pourrait continuer, assaillant la poigne de fer des enfers sur le monde des mortels. Donc en fait, c'est la mission qu'on est en train de faire. On est en train d'enculer tous les digues. Et les digues, j'ai l'impression que c'est ceux qui s'occupent justement de cette merde là. Nous, on a éclaté lui et il manque lui et lui. Donc je vois. Bah, la digue du cul. C'est un imp avec des cornes de bouc. Je sais pas si c'est un imp, je crois pas que ce soit un imp ça. Non, il a quatre bras, mec. Non, ça c'est un archidémon, une connerie. Je pense qu'on va le croiser plus tard. Oh la vache! Mais mec! Je crois que légalement t'as pas le droit en fait de. Mec, la porte est brille! T'as légalement pas le droit de faire une map aussi stylée! Ah, puis ça va me chier dessus en plus dès que je vais arriver, mon gars. Et donc, du coup, maintenant, je crois que j'ai débloqué des fast travel sur la carte. Non. C'est des blagues. Afficher le voyage rapide. D'accord. Et du coup, mettons si je retourne en ville et que je vais choper ça là-bas. Tu penses que je peux... Genre me re-TP là? Attends. On va tester. Non. Ah ouais. Attends, je suis une petite caisse. Ah, yo. Ok. Si, si, c'est encore divisé en chapitres, mais c'est un peu plus... Oh putain, la soundtrack, je vais me chier dessus. C'est beaucoup plus divisé, en fait. Oh. Ah non, c'est bon, il est pas entier. Oh bébé, pardon, excuse-moi, je croyais que t'étais vivant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quel gros gamin! Quel gros gamin, ce mec! Quel gigantesque gamin! Je suis la Doomguy, je suis super fort, j'ai une top de 44 cm! Trop mignon, bah ouais! Ah, du coup, c'est les mêmes interrupteurs, j'ai l'impression, que dans Doom 2016. Ouais, c'est ça, avec les crânes enfoncés. Même animation. Maker est présente à la réunion. Oh bah dis donc! Même hors de son domaine, elle est, au dire de tous, indestructible. Ouais! De ouf. De ouf, mec. Ah bah vous voilà les PD là. Bon, écoutez-moi bien, bande de trous de balles. Comment ça, elle? Attends, quoi? C'est qui a le maker? Ah, les cinématiques qui sont en troisième personne. Je sais pas comment je me sens. The Chad, the original Chad. Elle fera rien. Grâce aux âmes de tous les incroyants, vous ne pourrez pas les sauver du jugement dernier. Et toi, putain, avec ta tête d'arachnotron, là, tu vas voir ta gueule. Oh, il vénère. Tu ne peux pas résister à la volonté de la Can Maker. Activation du portail. Je veux tous vous enculer en torrent, je veux. La mission de la faire appliquer. Oh, il bossait pour les enfers, c'est ça que t'es en train de m'expliquer? Attention, ça va partir en bas, taille. Oui, Bethesda Network? Ouais, ouais, non, mais il y a un truc comme ça, je pense qu'il a dû, faire de l'audit pour des boîtes d'enfer. Non, c'est les anges sages, du coup, mais je sais pas, elle dit la volonté de la Can Maker, et la Can Maker, apparemment, elle bosse complètement avec les digues. Donc, ça m'étonnerait que ce soit une ange, elle, si. Code de triche, ouais, non, mais s'il te plaît. Allez, nous voici, dans la Man Cave. Oui, il a bossé pour la Can Maker, ouais. Il manque un composant à votre localisation. Ah, j'ai mal, j'ai gratte le nez. Il faudra le remplacer. Ta gueule. Exultia. Yes, je suis d'accord. Ok. Votre équipement.
Le cracheur ardent attend votre validation. Cracheur ardent. Eh, par contre, en français, je suis désolé, mais c'est un nom d'acteur porno, je m'y connais pas. Qu'est-ce que c'est, ça? Je peux savoir ce que c'est, ça? Je peux savoir ce que c'est? Attention, ça va chier. Ok, donc là c'est notre citadelle, donc la citadelle du Slayer, c'est notre man cave. Et du coup, je sais pas, ouais, si tu mates un peu la technologie qui entoure ça, ça ressemble certes un petit peu à la meuf qui vient de nous parler là. Je sais pas du coup si c'était marqué que c'était elle la Canmaker ou pas. J'ai pas bien fait gaffe en fait au sous-titre. Oh putain. Oui, c'était bien elle la Canmaker. Ok, donc elle parlait d'elle la troisième personne, cette grosse salope, mais ok. Ah, je vais cracher le feu. Donc c'est bien ça, R, c'est pour le crachage de feu. Donc C, c'est pour récupérer des munitions. R, c'est pour récupérer de l'armure. Et les glory kills, c'est pour récupérer de la vie. Donc il faut vraiment en fait apprendre. Voilà, tu vois. Ça, je savais. Regarde sur le côté de mon fusil de chasse. Attends, regarde sur le côté de mon fusil de chasse. Tu vois là où ça brille, là où on voit les reflets? Regarde. Je sais pas si c'est du screen reflection, mais le reflet était très joli. Bref, c'est vraiment s'attarder sur des trucs de merde, mais... Je suis désolé, hein, mais moi je suis... C'est pas du ray tracing. J'ai une GTX 970, mec, hein. Si je faisais du ray tracing, je te promets que ça se verrait en stream direct. Oui, par contre, ça va être ouf avec une RTX. Ouais, attention. Ah, voyons. Ça, c'est le stress, hein. Oula! Alors attends, voici l'écran de sélection des cristaux sentinelles. Utilisez un cristal sentinelle pour améliorer de façon permanente vos... Ah d'accord, ok, non, ok, c'est comme tout à l'heure en fait, c'est comme l'énergie argent en fait dans les premiers. Vous pouvez sélectionner une amélioration pour augmenter vos capacités de santé, d'armure ou de munitions. 4 améliorations sont disponibles par catégorie. Ok, donc par exemple ça. Ah, waouh. C'est toute beauté. Les démons massifs et super massifs restent enflammés plus longtemps. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ta couèque. Lorsque vous choisissez une amélioration, cette section vous montre vos capacités actuelles de santé, d'armure et de munitions et l'effet que l'amélioration sélectionnée aura sur cette catégorie. Débloquer deux améliorations liées entre elles vous donnera également une amélioration bonus. Gardez ça en esprit lorsque vous choisissez comment utiliser vos cristaux sentinelles. Qu'est-ce que c'est? Que c'est pas ta couèque? Je comprends pas. 1-1-1-1-1. Ouais, tu peux faire un Doomslayer tank build. Lorsque mon certain est au maximum, les bonus de santé vont à la frappe sanglante. C'est quoi la frappe sanglante? C'est quand je mets une baigne en fait. Non, parce que vous donnez des noms. Mais bon, tant que votre armure est au maximum, les bonus d'armure vont à la frappe sanglante. Ok, c'est quoi la frappe sanglante? Je comprends pas. Amant un butin, les butins sont attirés de bien plus loin. J'avoue, je comprends pas vraiment les symboles là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, d'accord, ça veut dire ça, mais qu'est-ce que dans quelle conférence en fait? Démon lâche des éclats d'armure plus souvent avec le crasher. En gros, tu t'emballes avec du truc au milieu, faut les deux côtés pour l'avoir. Ah, c'est le bonus. Ok, d'accord. En fait, ça, c'est important. Dans le sens où ça va me filer par exemple plus d'armure, ça va me filer plus de munitions, ça va me filer plus de vie, mais une fois que j'aurai débloqué les deux, ça me donnera ce bonus au milieu. D'accord, ok, putain, c'est pas clair. Par contre, c'est pas clair du tout. Je vais me rajouter des munitions. Voilà. Désolé, hein, mais c'est le stress. C'est ça. Les améliorations. Les améliorations de santé, d'armure et de munitions s'appliquent immédiatement avec les améliorations bonus débloquées. Inspectez l'environnement pour repérer plus de cristaux sentinelles et améliorer leur capacité. Le portail est activé. Tu transformes en zeppelin, mais je vais voler pour toujours. Dire que des fois je m'assois sur ce siège, mais le nombre de caisses que j'ai lâché sur ce siège, il y a que ça qui le fait tenir en fait. Ce siège, c'est uniquement les années de caisses. Bisous Hades, merci d'être passé, mec. Merci beaucoup d'être passé. Arc, mise à niveau, 10 à jour. Ok. Exultia, c'est quoi ça?
Ceci est une diffusion de l'arc. Nous avons reçu de nouveaux rapports en provenance de la zone infernalisée et en quarantaine près de la faille de San Andreas. Des images satellites montrent celui que les membres de l'Arc pensent être le légendaire Doomslayer en plein affrontement contre les non-morts. On pensait jusqu'à présent que le Doomslayer, aussi appelé Doomguy, était de la résistance, une sorte d'ange de la vengeance. Il aurait été vu pour la dernière fois sur Mars et serait responsable de la destruction de la Terre. Ok, t'es en train de... Ok. Il aurait disparu. C'est la même personne. Ok. Il persiste à nier tous les rapports attestant de son existence. Ah, carrément. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons. Bah ouais, c'est canon, apparemment c'est canon. Ils essaient vraiment de tie-in tout ce qu'ils ont, quoi. Encore, il y en a encore un, tu crois, ou c'est le premier Ceci toujours? Ceci est une diffusion de l'arc. Nous avons reçu de nouveaux rapports en provenance. Ouais, non, c'est la même. Ta gueule. Putain, ta gueule. Près de la faille de San Andreas. Pas le temps. Des images satellites montrent celui que... Oh mec, mais la bat cave, mais... Ouais, ça m'intéresse pas tout à fait en fait. Ok, c'est hyper. Slide dans un monde parallèle. Les prêtres de l'enfer doivent être éliminés pour mettre un terme à l'emprise démoniaque ravageant la Terre. Suite à la mort de Dignilox, les deux derniers prêtres de l'enfer ont disparu. Vous devez retourner à Exultia, cité abandonnée appartenant au passé des sentinelles. Ah d'accord, pour obtenir le dispositif qui vous permettra de localiser les derniers prêtres. Ok. Donc là, on va du coup. Ok, donc ici c'est le bled des sentinelles. C'est le. Oula. Oh bah putain. ça c'est un titan. Et ça du coup. Ok. Donc en fait ça c'est un genre de méca sentinelle en fait. Qui était en train de ken les titans. Mais il y a eu une couille. Il y a clairement eu une couille. Parce qu'il y a des ennemis qui l'ont cette technologie de sentinelle là. Et ça c'est chiant. Enfin en tant que... Ouais, ça fait chier en fait. Attends. Attention. Ouyou. Ah. Ouyou. Putain, comment il s'accroche mon gars avec ses gros biceps. Ouh, chou. Oh, petit chien. Bonjour. Bonjour, petit chien. C'est quoi? Il y a un petit chien. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous bossez? Tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens me taper? C'était une sentinelle, toi? Bah ouais, mais c'est triste. C'est qui ces cons? Ton cul. Putain de ta merde. Ton cul. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux encore? Ok, ouais. Ok, tu fais pas de dégâts, en fait, avec le coup de poing. Donc ça, c'est les sentinelles qu'on voyait donc dans Doom 2016. Avec le symbole des sentinelles au-dessus, qui a été renommé le symbole du Slayer, mais en fait, c'est juste le symbole des sentinelles. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est sur leur armure Praetor. L'armure Praetor que je porte là, en fait, sur le cax. Hop, hop, whoop, hop là. Pay cap. Il y avait rien d'autre? Non, il y avait rien d'autre, ok. Et putain, par contre, c'est joli, j'adore le mot Fiji. Le mot Fuji, ou... Ok. Traduction de Ligra Sultayenta, le livre des rois. L'habilité d'un homme de sa part d'ombre peut le faire courir à sa perte. Les digues m'ont trompé. Et voilà. On y est. Donc c'est lui, je pense, le gars qui a foutu la merde. Les prêtres ont rejoint le Nord avec moi sous couvert de s'allier à notre combat contre la Canmaker et ses méthodes peu scrupuleuses. Donc les prêtres, ok, donc à la base, lui là, le connard, il voulait renverser la Canmaker. J'imagine que la Canmaker, du coup, vous avez bien raison, c'est un ange. Et du coup, lui, il a voulu s'allier avec les digues pour la renverser, cette pute, je crois. Et ses méthodes peu scrupuleuses, remuant leur langue argentée, ils nous ont proposé un plan et semé la graine du désir d'un triomphe précipité. Ils disaient connaître la source du pouvoir des Makers dans le royaume infernal. Une vaste fonderie d'âme où les innocents étaient brûlés pour en récolter l'essence. Ils nous dirent que la destruction de la fonderie assurait notre victoire, et tels des agneaux crédules que nous étions, que j'étais, j'ai cru leur mensonge. Mais non, du coup, c'est une enfer, en fait. Je sais pas.
Alors signal, nous envoyâmes le Doomslayer et les Sentinelles Nocturnes détruire la fonderie et les prêtres ouvrir un portail d'évacuation. Lorsque le dernier vétéran pénétra l'Empire démoniaque, notre dernier espoir de recouvrer notre empire, les digues refermèrent le portail. L'armée était piégée, perdue dans le vide éternel par la traîtrise de ses pleutres. La couleur pleutre ? Comment n'ai-je pas compris leur intention et j'étais aveuglé par la perte de Taras Nabad. Donc ça c'est son fils. Taras Nabad, c'est le fils du gars. Démien, nous avons de nouveau fui, protégés par une légion incomplète de sentinelles nocturnes. Les digues ont disparu. Ils sont retournés près de leur maîtresse. Que les spectres me pardonnent cette faiblesse. Donc la Canmaker, c'est bien. Elle bosse bien, du coup, avec les démoniaques de pute. Salut Noctali, ça va quoi? Mais les prêtres, ils ont dit au gars, franchement, mec, j'ai un plan. Tu vas m'en dire des nouvelles. On va... Franchement... Source, deux points, crois-moi, voilà, je dis la vérité. Ouais, bisous Drektan, bonne nuit, et dors bien, et tout va bien. Ok. J'ai des défis dans cette mission d'ailleurs ou quoi, tu crois? Non, ok. Tout va bien. Ok, et j'ai l'impression qu'il y a un combat là-bas. Mais du coup, c'est un peu bizarre ça, de voir les combats à l'avance. Bon, c'est pas non plus vraiment une grosse surprise hein, quand tu vois les ennemis d'une arène, mais je sais pas, je trouve ça... Oh là là! Oh là là! Oh, merci Noctalis, merci beaucoup mec! Oh, c'est pas beau! Oh, c'est pas beau et je sais pas pourquoi ça fait ça. Merci beaucoup Noctalis pour les 5 balles. Doom, ça va et toi? Ouais, bah écoute, ça va super. Ouh! Salut les gars! C'est quoi ces petits rigolos là? Ils sont marrants? Ah non, ils sont dégueux! Ouais, y'a des petits problèmes d'affichage. Ça vient de ma config, je pense, les gars. Je vous rappelle que j'ai une carte graphique un peu mourante. Si d'ailleurs quelqu'un vend une carte graphique nouvelle gêne, j'ai envie d'appeler ça, c'est-à-dire au-delà d'une GTX 970, et qu'il est chaud pour me la vendre, je suis chaud pour l'acheter. Ah mais t'es là toi. Vas-y. Voilà. T'es enculé là. Je te baisse ta mère. Ouais moi aussi, ouais Momo aussi il aimera bien. Oh putain, sur un Hell Knight en plus. Je pensais qu'il était mort. J'ai toujours ma 1060 qui traîne. C'est combien de VRAM une 1060? Si c'est 4 gigos, Momo, il pourrait peut-être la kiffer. Oh, petit guinche. Ok, donc là, on est dans... Ouais. 3, Sing 3, ok. Enfin, ce serait déjà une amélioration sur celle de Momo, quoi. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Oh là là. C'est un pain, ça! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah bah voilà, frappe sanglante. Oh là là, qu'est-ce que c'est? La frappe sanglante est un coup au corps à corps infligeant des dégâts supplémentaires. Les glory kills remplissent la jauge de frappe sanglante. Une fois chargée, appuyez sur E ou sur I4 pour la dégeler. Ok. Donc j'ai une espèce de... Ok. Et c'est marqué où du coup la frappe sanglante? Là j'en ai une par exemple. Ah d'accord. Ah ok. Je vois la frappe sanglante, tout ça. Ouais, j'utilise pas, ouais. Ok, je vois. Vraiment à l'ancienne avec les l'électricité et tout quoi. Culé, tiens mange. Toi, je sais pas vraiment qui t'es, mais tu me saoules. Fais voir dans le codex, est-ce qu'ils sont là déjà, les méchants là? Gargouille, ok, tirer au-dessus dans les airs pour l'étourdir en temps. Ouais, bon, ça c'est plus ou moins évident. Comme les confrères, les diablotins, la gargouille est un agile et implacable, pardon, incapable chasseur en meute, originaire dans le monde des sentinelles, du monde des sentinelles, d'accord. Cette créature est le fléau des gardes sentinelles depuis les siècles, l'une des seules races du démon pouvant contourner les murs défensifs de la sentinelle prime. La gargouille pouvait apparaître sans prévenir et emporter de malheureux habitants avant de disparaître dans les ténèbres. Seuls les tireurs les plus habiles des sentinelles nocturnes parvenaient à intercepter cette menace aérienne, un péril qui demandait une surveillance constante de tout périmètre de la ville. Ok. Oui, lance-flamme, c'est vrai. C'était pas ça la touche par exemple.
Allez, donnez-moi l'armure. Donnez-moi l'armure. C'est très gentil. Merci bien, merci bien. Toi, je te coupe. Démon, il découpe. Robot, il découpe. Voilà, merci bien. Je fais mon marché un petit peu, hein, quitte à faire... Voilà, je suis plein. Doom Eternal fait suite au Doom 2016, oui. Faut les buter pour choper le plus d'armure. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Qu'est-ce que c'est? Rune. Rune améliore vos capacités ou en permet d'utiliser de nouvelles. Vous disposez d'emplacements de runes en nombre limité, alors choisissez les runes. Il n'y a plus d'épreuves. Ah. Ah ouais, carrément, ok, ah oui. Initie une glory kill de beaucoup plus loin, ça va être génial. Bonus de vitesse. Si vous survivez à un coup mortel, le temps se ralentira brièvement, vous donnant ainsi une chance de récupérer. Ouais. Augmente la durée d'étourdissement des ennemis. Augmente la maîtrise de vos mouvements dans les airs. Oh, c'est pas mal ça. Maintenez souris 2 dans les airs pour ralentir le temps. Une fois la rune épuisée, vous devez attendre qu'elle se recharge. Ouais. Tuez les ennemis avec votre équipement ou en profitant des effets de votre équipement, réduit votre temps de recharge. Pas mal aussi. Libère de la santé. Je vais prendre les glory kills de loin parce que ça va être génial. Que ce soit pour la mobilité ou pour la mobilité, ça va être top. Non, non, pas la mobilité aérienne, pas pour l'instant. Alors, bienvenue dans l'onglet runes de votre dossier. C'est ici que vous pouvez consulter les... Comment dire, les pôles emploi, quoi. Équipez les runes que vous avez achetées en les disposant dans les emplacements disponibles. Ok. Bip. Voilà. Trouver les runes débloquées dans l'emplacement, oui, ouais. C'est facile, ça. Facile, tout ça. Ok, maintenant... Oh, attends, avant de partir dans des pâtes à couèques. Blip. Voilà. Bon, pas comme ça. Wow, purée de pommes de terre. Attends, il y a un truc en bas, là. Il y a aussi un truc dans le bas qu'il faut pas que j'oublie. La mobilité, je suis fan. Bah, c'est bien, mec. Dans le jeu que t'auras craqué, tu pourras. Mais moi, la mobilité, j'aime pas. Moi, je préfère être complètement statique. Qu'est-ce qu'il y a, Ah, mais pourquoi tu te la pètes? Alors, GG, on se la pète, hein. Attends, il y avait un truc, là. Du coup, c'était là. Ok. Tac. Gimme. Oh, le petit arachnotron. Ah, mec. Trop stylé, trop kiffant. Ah. Bon, j'arrive, bougez pas. Oh, il était à poil, c'était marrant. Merde, je me cours de... Ouh. T'es enculé, va. Je passe le carburant. C'est chaud du ouf, poteau. Oh merde. Et voilà pourquoi la distance de Glory Kill, elle importe, mec. Cette track, par contre, je pense que ça va être ma track préférée de tout le jeu. C'est qui fait tout boudibidou, tout pidib, tout pitou. Franchement, je suis... Enfin, mec, je suis extatique, quoi. J'en peux plus. Je vais claquer. Ok, y'a rien d'autre que je peux choper ici qui pourrait être J'aime pas faire gaffe vraiment au piège là depuis tout à l'heure. Cette bande son, mon bureau est en lévitation constante. Ah bah ouais. Toi, ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. Toi aussi, de la même manière. Toi, tu l'attrapes. Cloup. Voilà. Ah bah je suis dedans. Très bien. Et les gars, comment ça se passe? The Bee, ah, je vais mourir. Ça va être le DC. Tranquille, 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 on se balade. Je vais récupérer le carburant. Hop, hop. Tac. On récupère un peu la vie. Un petit peu les munitions. Voilà. Pff, vie que j'ai perdue instantanément. De manière ostentatoire. Il me faut de l'armure. Je vais aller en chercher. Mec, je suis super bon avec mes grenades. Ça fait 50 fois qu'on va avoir le même glory kill. Ouais, j'ai bien fait de prendre de l'armure avant que l'arachnotron arrive, disons. Vas-y, donne-moi ça, donne-moi ça. Give me a man after midnight. Enculé, mon gars. Oh, yes. Aïe. Merde, j'ai plus de... Si.
Ouais, j'ai rien fait, c'est pas grave. Je vois pas avec les logos LMF, t'es life up et reste entre les missions si je peux me. Ouais, reste, hein, reste. Je suis à 5 one-up donc. Bisous, Ververm. Merci d'être passé, poteau. La mobilité aérienne avec les petits monkey paw, là, il y a moyen d'être pécable si t'as ça et le ralentissement dans les airs, le slow motion. Ouais, je sais pas, le slow motion, j'aime pas trop, moi. Terminer toutes les confrontations d'une mission pour gagner des points d'armes. Si votre progression n'a jauge de corruption démoniaque, chaque mission comporte 10 points d'armes au total. Dépensez vos points d'armes dans l'onglet arsenal. Vos points d'armes. Ok, bienvenue dans l'onglet c'est ici, vous pourrez améliorer vos modules d'armes, personnaliser votre roue de sélection. Oh là là. Ok. Ok, et j'ai des points d'armes. D'accord. Et par exemple... Ah, et par exemple, j'ai 6 points d'armes. Et ça consomme 10 points d'armes. Ok. La mission de temps de rechargement, les simulations avec le canon lourd augmente les dégâts des micro-missiles de 30% pendant 5 secondes. Je comprends pas. Attends, j'aime bien les bombes collantes, moi, elles me sont bien utiles. Augmentation de la vitesse de rechargement des bombes collantes de 20%. Augmentation du rayon d'explosion. Ah, le rayon de l'explosion, c'est pas mal. Et bah écoute, regarde, 6 points d'un coup, tech, c'est bon. Gros boom. Yes. C'est tout ce dont j'avais besoin. Bon, ok, donc les runes, l'arsenal. Bon, ça va, c'est pas tout à fait compliqué non plus encore. J'ai pas envie d'être spoilé, je voulais voir de quoi le jeu était fait. Salut, ami. Ouais, bisous, ciao. Merci d'être passé comme de l'habitude. Je vais prendre les munitions qu'il y a là. Oh, et donc, je lâche des caisses en rafale. Y a rien d'autrui. Qu'est-ce que c'est ça là? Je comprends pas. C'est quoi? Pourquoi y a ça? Pourquoi y a ça et pourquoi y a ça aussi? Corruption démoniaque. Qu'est-ce que ça veut dire, sa mère? Pourquoi c'est encore de la corruption? Vous arrêtez, hein, de tout corrompre. Je comprends pas exactement ce que ça veut dire, en fait. Codex, rune, ouais. Et je vois pas exactement ce que ça veut dire, en fait. Je suis un peu paumé, là. Attends, mec, on va voir si la custom d'armes, il parlait de modification de skin. Personnaliser l'arme. Ah ouais, j'ai l'impression. Apparence d'arme. J'y ai pas. J'ai aucune apparence d'arme. Mais oui, apparemment, il y a bien des skins. Et il y a aussi, de toute façon, des skins pour le Doomslayer, donc... Pourquoi ce monde est-il aussi corrompu? Quelqu'un peut venir te buter. Ah oui! Ah putain, il y a ça aussi! Eh, mais je vais me faire enculer. J'avais oublié, je pouvais me faire invade. Après, peut-être que c'est pas là, peut-être que c'est dans d'autres styles de partie. Y'a rien sur le cube. Non, y'avait que dalle sur le cube, mec. Faut que j'aille par où, moi? Par là-bas? Eh bah, écoute, on va aller par là-bas. Chercheur ardent. Ah, et on. Cracheur ardent, je veux dire. J'arrête pas la chaîne. Mec, c'est le stress. Non, ça c'est bien la suite. Je crois que tu peux toggle les invasions des joueurs, hein, tu crois, hein? Oui, ça d'accord, très bien. Je sais pas. J'ai pas l'impression. Aide à la visée. Qu'est-ce que ça? Flou cinétique, ok, bon bah c'est pas ça, pourtant c'est bon. Je sais pas exactement, peut-être qu'on verra plus tard. Y'a un mode photo, il était dispo dans les options. Un mode photo? C'est quoi, palier? Ah, c'est des... d'accord, ouais, ok, ça c'est très bien. Y'a beaucoup de trucs, y'a beaucoup de... Attends, bouge pas, je vais changer un petit peu, tiens. En UAC, tiens. Un mode photo, tu dis. Paramètres de jeu. Mode photo bêta. Ah! Non, ça c'est le social. Comment on fait? Il doit y avoir une touche. J'imagine. Combat déplacement, divers, chat vocal. Eh ben, je sais pas comment on fait. Tab. Ah bah alors là, mon gars, pour le mode photo, j'ai aucune idée comment ça se passe. Giant Dad has invaded you. Je sais pas. Je vais le virer pour l'instant, hein, on verra plus tard. Pas moi, il m'a autorisé depuis le menu le choix de la mission. D'accord, ok. Donc c'est que quand tu refais le jeu, en fait, à un moment. Donc pour l'instant... Non, ça, je vais pas pouvoir y aller maintenant, ça, là-bas, là. J'aimerais bien, hein, mais là, ça va être Tandax, non? Je peux pas, là, sauter jusque là-bas. Ça va, vous? Attendez, hein, j'arrive. Qu'est-ce que... Je peux pas sauter jusque là, on est d'accord? Bah non, à peine là je peux sauter, donc...
Si, mais non. Mais mec, de ouf que non. Même avec mon double. Là, je peux pas sauter jusque là-bas. Non, 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 non. Non, 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 de ouf que non, de ouf que non. De ouf que non. Sans le dash, ça va pas passer. Ouais, ouais, non, pour l'instant, là, c'est mort. Le fait qu'ils réussissent à balancer plusieurs univers différents en deux missions, je suis étonné, sachant qu'ils avaient fait que deux pour tout Doom 2016, bah ouais. Mais du coup, on verra ce qu'ils proposent par la suite, quoi. Surtout. Oh, attends, il y a un truc, là. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas trop compris ce que c'était. On le voit à travers le truc, peut-être, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, un genre de petit truc. Et là-bas, qu'est-ce que... Non, on voit pas. Bah oui, de toute façon, on n'a pas le... Comment on dit? On n'a pas la carte, donc c'est chaud, quoi. L'invasion, c'est une activité in-game, donc is ok. Ok, d'accord. Hop. Pécob. Pécob. Il y avait des trucs, du coup. Là, voilà, ça. Pécob. File-moi ça, c'est quoi? Le loup. Vega, en train de donner, on entend parmi les légendes d'Argenta des histoires de bêtes sentinelles. Des créatures loyales ayant accompagné les guerriers des plus endurcis. Souvent plus gros, plus agiles et plus forts que leurs congénères, ces animaux partageaient l'instinct de leur maître et les aidaient au combat. Les sentinelles nocturnes n'expliquèrent jamais publiquement l'origine de ces créatures car elles seules en étaient dignes. Eh ben, ça va, tu vas te calmer tout de suite là. L'autre, j'ai un loup, oui, je suis une sentinelle en plus, enfin, ça va, bouffe-moi lionf quoi. Il y a un truc là-bas et j'ai envie d'aller voir, mais... Je crois que ma curiosité sera mon vilain défaut. Je sais pas si on peut y retourner. On verra au pire. Enfin, ouais, oui, je m'en fous. On peut se TP comme on veut, tranquille. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ces patacouecs? Faut que je tire là-dessus, non? Mets ta vie. Non? Peut-être pas alors. Ah bah. Des fois, hein. Si tu tombes, tu perds juste un peu de vie, je crois. C'est plus un stand dead comme Doom 2016. Ouais, mais on verra plus tard. De toute façon, je peux me re-téléporter où je veux, quand je veux. Donc franchement, ça a vraiment plus de problématique du tout. Faut que je prenne une petite plateforme, là. Bip. Voilà. Donc ils ont bien augmenté le nombre, en fait, de... Enfin, ils en ont créé, en fait. Des phases comme ça, un peu, je dirais pas puzzle non plus, mais ouais, de petits délais. Qu'est-ce que c'est que ce délire, mec? Attends, qu'est-ce que c'est? C'est le dash, du coup? Ruée, eh ben oui, d'accord. Ok. Très bien, eh ben ok, bah ben voilà, on est bon. Est-ce que je peux me rebarrer, tu crois, pour aller voir ce que j'ai pas pu choper tout à l'heure? Donc ouais, j'ai mon petit dash, sympathique. Ok. Et bah ça me plaît. Oh la vache, ok. Ok, très bien. Et j'ai l'impression que dès que tu fais un dash, de toute façon, ça t'accroche dès que tu peux t'accrocher. Très bien. Je vois. Et donc on est ici juste pour récupérer un moyen de retrouver un des connards de digues. Les digues du Huc, d'ailleurs on les appelle. Et ça c'est dans l'or, hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est dans les livres. Bon putain, ça va, c'est pas assez épique comme ça. Je crois qu'on va rencontrer un mec ici. Parce qu'il me semble que j'avais été spoilé justement dans les cinématiques, dans les trailers, hein, comme d'habitude. Faut que j'arrête vraiment de mater les trailers. Qui ça peut te foutre, tes flics? Putain, les biceps. Oh. Écoute, Samuel Hayden, il m'a dit pareil. Et il s'est rien passé, donc franchement... Eh, hey, mais c'est une balle de Quidditch, en fait. C'est bon, on est tranquille. Eh, t'es sûr? Oh là là, pourquoi tu t'agenouilles? Donc c'était, ils étaient bien alliés à un moment. C'est qui ce mec pour que le Doomslayer il s'agenouille? Si vous persévérez, vous abattrez sur terre la colère des cieux. Ouais.
vous n'êtes qu'un homme. Et ce n'est plus à vous qu'il appartient de les sauver. Mec, je peux pas t'expliquer à quel point je m'en bats les couilles, mais franchement, tu serais impressionné, je crois. Si moi le patron... Merde, j'ai lancé une grenade. Si moi le patron... Il a payé respect, mais c'était une simple formalité. Ouais, c'est ça, il a payé respect, parce que quelque part, c'était un petit peu son... Comment on dit son boulot, tu vois. Roanovic. Ça va être intéressant, ça. Le roi Novik a régné sur Sentinel Prime de nombreuses années en tant que guerrier patriarche et protecteur ordonné des mondes sentinelles souverains. Le peuple sentinelle d'héritage guerrier ne considère digne de régner que les membres de la caste des guerriers. Et en temps de guerre, on attend que le roi mène ses hommes depuis le champ de bataille et non depuis la sécurité de son trône. Comme le veut la loi sentinelle, le roi incapable de combattre est un roi incapable de régner. Putain la vache. Pendant les millénaires, le peuple sentinelle a protégé sa civilisation des menaces d'invasion de bêtes comme d'humains en transmettant le manteau guerrier à chaque génération et en affilant l'art du combat jusqu'à la maîtrise ultime. Même en période de paix, les sentinelles nocturnes restent vigilantes, développent de nouvelles technologies de conquête, toutes plus à même d'asseoir leur domination sur les mondes souverains. Ouais, ça, c'est Sparte, en fait. C'est exactement Sparte. C'est le même genre de délire. Après, je les comprends. Wow. Ok, on va partir là-dessus. Wow, putain, il y a les arcs électriques. C'est comme ça que tu te rends compte que c'est le futur, en fait. Il y a plein de genres de petits... Y'a des petits canidés. Ça va les canidés, tranquille. Tu vas continuer longtemps? Je suis claqué, j'ai pas envie de louper les bouts. Pff. Allez, hey, on dit j'arrête à 3h30. Un truc comme ça. 3h30, allez, allez. Ça fait combien de temps? Ça fait 2h je stream. Ouais. Allez, 3h30, j'arrête à 3h30, d'ac. Oh putain, encore. Il va encore m'enculer. Faut que je fasse gaffe. Et non mais du coup, on est revenu ici. Là où il y avait tout à l'heure, donc, la marque... Oh putain, c'est électrifié en bas. Là où il y avait la marque du fait que il y avait un combat. Donc en fait, non, la marque qu'il y avait sur la map, c'était bien le jeu qui me disait « Eh bah, il y a encore une baston ici plus tard. » Sécurisienne va turbo rush, allez, ouais. Non, je vais pas turbo rush par contre. Oh putain, ça va être chaud de ouf. Ah là. Encore un! Tu fous ma guéant? Ouais, oh, il est en train de péter un pont dans la porte! La vache, par contre, il est bien plus rapide qu'avant! Non, il va m'enculer! Je suis pas assez fast! Je suis pas assez furious! Et j'utilise pas assez mes compétences! Oh, 3 PV! 3 PV, poteau! Ok, ça c'est bon. Point d'arme acquis, tu m'étonnes. Donc en gros, sur chaque map, il y a des confrontations. Et à chaque confrontation, donc par exemple là, je l'ai gagné, ok. Et à chaque confrontation, je peux gagner des points d'armes. Et ces points d'armes vont me permettre d'améliorer mes... Ah non, du coup, ça c'est la fin du niveau, très bien. Système de vie, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, bah du coup, ouais. Et attends, j'ai pu me TP plusieurs fois. C'était quoi le délire? Oh, un Gornest! Qu'est-ce qu'il fout là? Attends, il y a plein de trucs là. Attends, déjà, j'ai pu dash deux fois de suite. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah oui, non, j'ai deux dash en fait. D'accord, ok. Pourquoi il y a un Gornest ici? Qu'est-ce que ça fout là? Les confrontations secrètes sont des confrontations facultatives et chronométrées cachées dans le monde. Les ressources utilisées dans une confrontation ne sont pas restaurées. Si le temps s'écoule et que vous échouez, vous pouvez réessayer. Pour chaque confrontation secrète, vous obtenez un point d'arme. Non, il y a des Gornes secrets, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Attendez, les gars, ce qu'on va faire... Je suis en plein air. Oh. Oh la vache. Oh putain, j'ai tout donné, mec. J'ai tout donné. Oh putain.
Well done, kid. mon gars, là, j'étais au max, là. C'est beaucoup trop cool. Mais ouais. Ils ont vraiment foutu tout ce qu'ils voulaient au niveau du... Ouais. Qu'est-ce que... J'ai loupé plein de trucs ou quoi, ici, du coup? C'est ça que t'es en train de m'expliquer? Non, c'est juste pas la fin du niveau encore, ok. Plusieurs modules sont inutilisés. Mais trouver plus de batteries vous permettra de rétablir les fonctions de votre... Ok, c'est pas encore fini. Ok. Bouip. Est-ce que c'est un plasma gun? Conçu par la division militaro-technologique de l'UAC, le fusil à plasma est devenu l'arme énergétique standard. Projetant du plasma surchauffé à cadence rapide, il peut surcharger les boucliers énergétiques et liquéfier les combattants ennemis. Oh, le bruit qu'il fait un peu là. Mec, il a beaucoup... Oh, des revenants! Non, mais tu m'as spoilé sur les revenants! Bon, c'est pas grave. Le programme Revenant était une expérimentation d'armes biologiques utilisant des tissus humains nécrosés et réanimés que pensait-on avaient été détruites dans l'effondrement du complexe de l'UAC sur Mars. Cependant, des enclaves d'adeptes d'anciennes dérives de l'UAC, désormais sous contrôle direct de l'enfer, sur Terre, ont commencé à travailler sur une seconde vague de production du programme. Alors que la plupart de l'arsenal existant a été conservé selon son design originel, la programmation cyberneuronale a, elle, subi quelques modifications. Les signaux suivants d'un certain schéma ont été branchés au cortex frontal de l'hôte, simulant ainsi une soif de sang inextinguible et irrépressible. Tant que ces signaux sont actifs, l'hôte est incapable de penser ou de ressentir autre chose qu'une unique pulsion de tuer et violenter les vivants. Trop mignon. Tu les chauffes beaucoup plus vite les armes et les revenants aussi, putain, va falloir de la surprise sans que ça grille la progression trop vite. Bah ouais, j'espère que ça va aller. À mon avis, pas à s'inquiéter trop, mais... D'accord. Eh ben écoute, on l'a éclaté comme tout le monde. Toi, t'as éclaté comme tout le monde. Qu'est-ce que... Ok, donc il y a plein de coins à visiter, en fait. Où je vais... Putain, l'outil à Naruto Run. Et je vais pouvoir récupérer, je pense, des batteries dans, dans tous les portails, hein. À moins que ce soit des portails qui téléportent de chaque côté. Attends, on va tester ça plus tard. Pour l'instant... Je vais juste voir où j'en suis, là. La soundtrack. Tiens. Je pense qu'il est vraiment trop weak, le coup d'épée, ça fait... Je vais pas le buter avec la grenade comme je fais d'habitude. Ok, je vois. Je vois, dit-il. Ah, c'est lui, gars, qu'est-ce que vous foutez là? Vous vous planquez? Voilà. Le câble, il y avait quoi? Il en restait un connard là, non? Ça me mène directement dans le truc. Ok, il y a un secret en bas. Que je vais essayer d'aller choper tout de suite. Je pense pas que je puisse sauter. Oh là là, le bordel. Est-ce que je peux aller en bas directement là? Pas tant encore. Oh la vache! Bah non, mais. Enfin, comment tu veux que je fasse? Attends, je vais aller voir ce que font les portails. J'ai l'impression que c'est juste des portails qui te mènent de l'autre côté en fait. Ha! Sweep! Ouais, c'est ça. C'est juste des petits portails de confrontation stylés où tu peux faire des petits trucs stylés, où c'est stylé quoi. Et. Attends, tu penses que je peux monter jusqu'en haut là-bas? Ou ce sera la fuite? C'est peut-être la fuite. En bas, y'a rien là. Que je peux. Où est-ce que je suis censé passer, penses-tu? Non, ok, y a une caverne. Très bien. Bah oui, s'ils nous mettent tout dès le début, ça va s'essouffler. Pour l'instant, j'avoue que je suis pas essoufflé, mais. Ah, ils savent. Ils savent, je crois. Attends. Non, c'est uniquement horizontal. Pas une once de verticalité dans ce. Attends. Très bien. Non, je peux pas. On verra plus tard, ça doit être ailleurs. Ah bah regarde, on peut rentrer. Oh, c'est dégueulasse. Allez, rentrons là-dedans. J'adore. C'est dégueulasse. Oh. Faut arrêter des choses comme ça, par contre. Ça fait des explosions. J'aime pas ces saloperies. Franchement ça se fait pas. Ah, je suis collé, sa mère. Ok. Je vois. J'ai paniqué.
C'est quoi? Oh, automap. Ouais, je savais que vous me laisseriez pas utiliser l'automap direct. Bande de gros bâtards là. Ah, c'est pas hein? Dégueulasse. Ah, mais regarde, c'est dégueu ça. Je vais voir. Ouh, yes, un mode. Ok, par contre, oh attends, mode plasma, qu'est-ce qu'on a pour le mode plasma? Alors attends, fais voir. L'unité de précision, j'y pensais aussi tout à l'heure, mais bon, on verra bien. Rayon à micro-ondes, maintenez souris 2 pour verrouiller. Oh non! There's something strange in a neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Ah ouais, de ouf, je prends ça, mec. Bon, c'est quand le super shotgun? Je me suis foiré. I ain't afraid of no ghost. God make me feel good. Ok. Doom guy. There's something strange. In argent de nour. Who you gonna call? Il y a un oiseau. Doom guy. Plantation tout proche. Utilisez-le pour activer le mecha et dégager le passage. Oh. Nani? Attends, quand tu dis activer le mecha, c'est comment, quelle conférence? Ah, attends, et c'est quoi ça? Je peux le jébou ça? Ah. Fais voir. Wow! À Doomsgate! Mais c'est Andrew Schultz! C'est l'album de Andrew Schultz! Doomsgate, pardon! Il me semble, c'est les reprises qu'il a faites, putain la vache. Je peux pas le voir, j'ai pas le codex de ça. Ah tiens, Chevalier de l'Enfer, on l'a pas lu. La mitrailleuse peut rapidement faire vaciller ce démon, c'est super gentil. Chevalier de l'Enfer, guerrier de renom parmi les démons, ont gagné leur place après des millénaires de service auprès des archidémons éternels. Obéissant aux ordres de maisons souveraines, ils servent depuis longtemps d'hommes de mains barbares dans le royaume souterrain, forçant brutalement les créatures plus faibles à obéir. Fait rare chez les démons, attention, ils font preuve d'un respect inné pour les rangs les plus élevés de la hiérarchie et possèdent une loyauté sans faille envers les seigneurs démoniaques. Ne demandant que peu de pression de la part de leurs maîtres de haute lignée, les chevaliers de l'enfer servent sans hésiter les anciens dieux de l'enfer pendant l'enfer. Ça va dans ta man cave, ouais non, de ouf. Je pense que ça va s'y retrouver direct dans la man cave du Doomboy. Et je peux vraiment pas... Ah, mais c'est peut-être ça du coup. C'est pour ça qu'on peut pas les voir ici. Je pense que c'est parce que ils vont être du coup dans mon appart. C'est ça en fait, le délire. Vas-y Dan, vas-y, fonce. Zwip. Il va mettre un pain, c'est ça? Non, il va mettre un Iron Man. Ok, d'accord. Je vois. Comment il a fait un Iron Man sans que j'ai le besoin de l'activer? Putain, par contre, c'est mec, c'est... Regarde ce bordel. On est où? On est toujours chez les sentinelles? J'imagine que oui, ouais, c'est juste un point plus niqué de la vie que celui de tout à l'heure. Bosh, it makes me feel good! Hop, bête, voilà. Oula, il est où lui? Il est où lui? Vous êtes tous mis d'accord pour me mettre la rage? Pécam. Histoire des Sentinelles, partie 2. Durant l'ère du deuil, lorsque le roi Etrex s'empara du trône, le peuple d'Argenta reçut une bénédiction. Des êtres de porcelaine venus d'un autre monde couvrir Dnour de présent. L'observateur... Donc, Dnour, argent Dnour, c'est l'enfer qu'on voit dans la première, dans le Doom 2016. Observateur de nos exploits, admirateur de nos convictions, ils voulurent se lier à nos armes pour apporter la paix à notre monde. Nous n'avions jamais vu de tels êtres, les armes... Et bouclier ne faisait pas le poids contre eux, car la chair éthérée de ces figures lumineuses ne semblait nullement vouée à la mortalité. Capables de se mouvoir à travers le temps et l'espace, ils avaient de l'emprise sur toutes les possessions, des dimensions connues et inconnues par leur enseignement. Nous devînmes plus forts, notre société stimulée par de l'infinie sagesse et leur puissance omnisciente, assurant à notre peuple une sécurité permanente dans ce monde et le suivant. Alors que nous aiguisions nos lames et maîtrisions notre magie, ils développèrent l'âme et l'esprit, la mort ne serait plus la fin pour notre peuple. Ceux que nous appelons les Makers, d'accord ! Donc en fait, les Makers viennent d'Argent de Nour. King contre ex PTDR.
Il y a le mec qui était mauvais à Cuphead qui a bloqué pendant 30 minutes à l'endroit où t'es, fais gaffe, tu vas être jugé. Les gars, je vous souhaite la bonne nuit et je vous dis à demain. Ouais, bisous Max. Je suis désolé, je lis pas trop le chat, je suis un petit peu occupé, vous comprendrez. Nous trouverons la paix éternelle et nos esprits seraient sereins à l'idée de ceux, à l'idée que ceux avec qui nous menions nos combats nous rejoindraient au-delà du plan mortel. La force de nos croyances, la pureté de notre essence, par la loi des makers, nous garantissait le passage vers la grande cité céleste. Là, nos femmes et nos enfants, nos guerriers et nos semblables nous accueilleraient. Nous adoptâmes la doctrine sacrée des makers en l'échange d'une chance de gagner le repos éternel pour nos âmes immortelles en Urdak. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La congrégation que nous formions désormais sous les auspices de notre nouveau dieu favorisa une paix alors jusque-là inconnue, car ils étaient différents des premiers dont la présence ne nous garantissait aucun paradis ni aucune protection contre la peur et l'incertitude d'exister dans un monde rude et impie de diable. L'étreinte des makers était chaude et nous, salope, et nous guida vers une ère de prospérité spirituelle. Ok. Donc ils sont venus, ils ont dit, on est vos dieux, il a dit. Grave. Et voilà. Donc ça, c'est... Qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure, hein? Fort. J'ai déjà oublié. La pointe cosmique. Ouais. je relirai, mais là je suis pas... Regarde-le lui. Hey baby, what the fuck is going on? It's something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Doom guy. Tweet. C'est éclaté, mec. Ça va, les gars? Vous emmerdez pas? Je ne vous dérange aucunement. J'ai rien d'autre ici à choper? Oh la vache! Ok. Il est marrant, lui. Regarde-le. Il s'est fait fendre le cul. Enfin, c'est pas très drôle, mais... Oh la vache, le nom de bordel! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a des genres de... Ça, j'ai l'impression que c'est un combat facultatif, non? Mec, la map, elle a l'air incroyable, par contre. Ok. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pris le codex qui était là-bas. Ok, d'accord. Ça met nous. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mec? Bah ouais. Bah attends, ça va mener où, ça? Ah, là, ok. J'ai. Voilà, impeccable. Ensuite. Oh, le bordel. Ok. Ah, c'était super, mec. J'ai kiffé. Et du coup, c'est quoi, ça? Ah, d'accord. Ouais, bah, fallait dire aussi. Et là, du coup, on recommence. Ok. Hop. Chat. Merde. Oh, je me suis chié dessus. Ok. C'est ça qui se passe quand les Ghostbusters ils tirent sur quelqu'un avec leur bordel. Ouais, apparemment, je pense qu'ils doivent, exploser, les gars. Hein. Ouah, putain. Là, il faudrait un cyber démon, tu vois. Oh putain. Ok. Très bien. Ils sont rapides, les arachnotrons, ces salopes là-dedans, là. Ces grosses putes, oh la vache, qui me met cher. S'il te plaît, laisse-toi faire. On peut peut-être en discuter. Ah. Ouais, c'est bien, les one-up. C'est pas mal, les one-up, en vrai. Missile en approche. Ah oui, d'accord. Ah, carrément, tu m'expliques quand ils sont en train de me tirer dessus. Eh ben, c'est super sympa. Santé basse, ça va le faire. Il l'a enculé sur tous les fronts. Vas-y, Mick Gordon. À toi, poteau. Fais de moi ta salope. Comme, comment il s'appelle comme il a dit, Romero. Avec Daikatana. Bon, ça s'est pas passé complètement comme prévu, mais Je te bouffe ta merde. Tiens, ça c'est impeccable. Il me fait chier, lui. Voilà. C'est quoi? Toi, tu vas niquer ta race. J'utilise pas assez. Je joue encore trop comme Doom 2016.
Je suis gouré de touches. Ouais, alors là, oui, ça va être compliqué. Oh ! Bah ouais. Oh, oh putain, comment ils m'ont enculé ! Attends. C'est pas ça, je voulais faire. Oh la vache. Je m'en prends plein le cul parce que je ne réfléchis pas exactement à ce que je fous. Viens, suis-moi. Tiens, ta mère la pute. Quelque part. Toi, t'es parti, c'est pareil. S'il te plaît. Ah non! Et ça, c'est bâtard. Me mettre dans le feu, franchement, ça se fait. On se connaît pas beaucoup déjà. Je sais que tu me respectes pas beaucoup, mais franchement, ça se fait pas. Bah, ça va, toi? Ok. Je me cache. Ah, mais ok, donc il y a de la villa si jamais j'ai besoin. Ah, j'ai pas de munitions, le con, j'ai pas regardé. Et tu sais quoi, j'ai pas réussi à utiliser ça aussi. Il y a mon culé, non? Maintenant que j'y pense. Toi, reste là. Oh merde, c'est pas grave. Casse-toi, toi! Faut pas que tu déranges! Oh, casse-toi! Faut pas que tu déranges! Je suis désolé, j'ai un petit accent d'un coup, mais c'est vraiment à cause du stress. Donc tout va bien, quoi. Hop là, ok, impeccable. Voilà! Enfin, rends-moi ma vie, yes, ok. T'as la frappe aussi, ouais! Ouais, j'ai la frappe aussi, ouais. Toi, t'es parti niquer ta race. Toi, reste là-bas, toi. Tiens, j'avais la frappe, donc voilà. Putain. Est-ce qu'il me met dans la gueule, le jeu, poteau? C'est génial. J'en prends plein le huc. Alors, il a de la chance que j'aime ça. Donc ça, va falloir l'activer plus tard encore avec un petit coup de méca. Oh la vache, le méca, il est incroyable. Est-ce qu'il y a des trucs ici de particulier là? Non, j'ai l'impression que ce sera après. Oh là, ça a l'air chaud. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut de chaud en fait. Ça va être dur, hein. Ça va être dur parce qu'on est en ultra violence. Mais ça va être ce qu'il faut en fait pour complimenter le gameplay qu'ils ont réussi à sortir avec ça en fait, je pense. On peut y jouer dans n'importe quel mode de difficulté. N'importe quel mode de difficulté va être suffisant pour se rendre compte d'à quel point ils ont bossé dessus et tout savourer, tu vois. Mais celui-là là qui te fait paniquer quand il faut, tu vois, par exemple, je suis une salope là. Tu vois, en fait, il est pas compliqué. C'est juste qu'il arrive toujours à un moment où il faut pas, en fait. C'est ça son problème à ce gros bâtard. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ça aussi? Il y a un genre de chibre. Un chibre, en fait, de l'enfer qui me regarde. Recharge ruée. Ah ouais, carrément. Attends. Derrière, il y a un truc. Il y a un truc et je veux y accéder. Parce que là, il y a clairement de la pâte à couette qui se passe en... Non, c'est la suite, en fait. Ok, c'est la suite. Là, c'est la suite. Au-dessus là. Non, mais c'est ça que je cherche, moi. Ça là. Comment j'y accède donc? Il doit y avoir un portail et peut-être qu'on doit popper juste après dessus. Bon, on verra bien plus tard. Je vous rappelle que de toute façon. Ok, donc tu peux enchaîner tellement de ruées, mec. Voilà, ça c'est tranquille. À part le gameplay, j'ai hâte que la soundtrack sorte officiellement depuis des mois. J'attends, ça va être lourd. Ouais, enfin vraiment, il va nous enculer la bouche. Mick, donc je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus sans aucun problème. Merde, je suis gouré de trucs. La vache, t'as vu ce qu'il m'a mis? Est-ce que t'as vu les dégâts qu'il m'a fait, mec? Est-ce que t'as vu ce qu'il m'a mis? Il m'a. C'est un truc de ouf. Vraiment pas kitchop, quoi. Hein. Je pense que ça, c'est évident. Bip. Lol, j'ai plus de munitions.
Non, sa mère, je reste jusqu'à la fin. Pour Doom. Ah, pas pour moi. Ok, d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave, j'irai streamer ailleurs. Tant pis. J'irai rejoindre le stream. Alors, où est-ce que c'est pour la baguère? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a de la baguère. Si on descend... Ouais, il y a le Gornest. Ok. Fais voir. Secret trouvé. T'as quasi OS. Ouais, non, de ouf. Oh, il y a des... Lost Souls. Voilà. Il est fini. Il y a des... on a été introduit aux Lost Souls grâce au truc secret. Je sais pas trop comment je pense. Enfin, comme... C'est pas assez sympa. C'est cool. Fais voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va être ça le problème, en fait. Je vais essayer de louper le moins de trucs possible. Après, bon, je peux retourner hors mission, mais ce serait con, tu vois. J'aimerais bien vous en montrer un maximum du premier coup. Mais je pense que... Oh la vache! Ok, donc ça, c'est la même technologie que... C'est la même technologie que la lame qu'il y avait à la fin de Doom 2016. Donc c'est un genre de sabre laser des ouf. Oh putain, mais mec, au bout d'un moment, je suis désolé, mais mon pénis, il peut pas, tu vois. Il est pas infini, quoi. Donc au bout d'un moment, il va se fatiguer. Où est-ce qu'on est? Donc ça va être la suite, c'est bon. Tranquille. Yes, ça c'est des matières fécales. Oh non, je vais encore être tout sale. Tiens. Tac. Tu descends dans son anus. Ouais. Bon bah écoute. Non mais pas que, en fait, j'ai l'impression que... Ta gueule toi. Oh. Ça c'était beau ça. Le beau jeu. Clac. Je t'en... Ah. Je sais pas trop comment je le trouve, ce délire de... Dans la purple goo, t'avances pas. Je suis pas extrêmement fan. Ah, j'ai plus de munitions de ça. Ah, d'accord. Le cacodemon n'a absolument aucune pitié. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte de pouvoir l'éliminer assez facilement avec une grenade. C'est parce qu'il est vraiment... Il faut être procédurier avec lui, quoi. Non, à chaque fois je me gourre. Voilà, impeccable. Ouais, je suis désolé, j'ai pas encore toutes les mécaniques en tête. Je vous avoue qu'il est un peu tard. Et grosse journée, vois-tu. Tu vas claquer toi, quoi, voilà. Et j'avoue que j'ai pas encore tout à fait tous les réflexes. Mais ça viendra. Ça viendra, de toute façon le jeu il va me forcer à les apprendre. Hein. C'est comme ça qu'il a été designé, c'est comme ça que ça va se passer. Le jeu va me forcer à apprendre les différentes mécaniques et... Ah, je vais... Ah la vache. Oh, ça se fait hop. Oh, ça se fait hop. Franchement. Tire pas. On discute. Voilà. Du coup, demain 14h, je pense, ouais. Je pense que demain, on va le faire assez tôt. On va s'y mettre assez tôt. Je sais pas si on va le finir demain. Je vous dis, on verra ce qu'on fait comme rythme. Peut-être que je couperai et je relancerai sur autre chose en attendant. Peut-être que je ferai toute la journée dessus. Peut-être que ce jeu, c'est le meilleur jeu de l'humanité, quelque part. Ça dépend, tu vois, ça dépend de tout. Putain, ces mécas, là. Si j'en conduis pas un avant la fin du jeu, il méritera pas mon attention. Vois-tu? Ok, et qu'est-ce que ça a produit, en fait, comme résultat, ce que je viens de faire? Attends, parce que là, j'ai rien loupé, là. Fais voir. On va remonter là, on va passer par là, et on a d'autres épreuves. Est-ce que je peux voir... Ouais, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir loupé les trucs. Bon. Ça, là? Je peux le retaper, le truc? Non, bah non. Avec le dash? Ah bah oui, là, putain, mais oui, non, mais regarde un peu autour de toi, Big Loose. Voilà. Impeccable. T'as juste loupé un one-up au début de la partie. C'est vrai, j'ai loupé un one-up. Qu'est-ce que c'est que c'est pas d'accord? Ah oui, j'étais pas retourné le choper, je crois. En disant, oui, on ira le chercher plus tard, nanana. Je m'appelle Zurusian One, je parle près dans mon micro. C'est la seule blague que j'ai. Ok. Ça, c'est pareil.
Et en plus, quand tu dis que le Cacodemon il peut TOS, mais il prend pas de dégâts. Oui, non, si, c'est ça en fait. Non, je croyais que t'avais dit il peut TOS, mais il prend des dégâts. Mais non, en fait, il est ultra balèze en plus. Qu'est-ce que. Attends. C'est quoi ça là-bas? Il y a un genre de petite. Tu vois là. Qu'est-ce que c'est? C'est juste. Ah non, c'est juste ailleurs. D'accord, très bien. C'est juste. Ouais. Ok, je suis désolé, je relis vos messages en boucle. Parce que je sais pas lequel j'ai lu la dernière fois en fait. Ça c'est un struggle. On en parle pas beaucoup. Oh putain, et toi. Franchement, toi, casse-toi quoi. Alors. Où est-ce que j'en étions? Ça du coup, c'est pas mal. Je vais essayer d'utiliser un peu plus le crasher. Le crasher éjaculateur précoce là. Et là maintenant. Oh, ouais, ok, d'accord. Et du coup. Je vais pouvoir cramer des trucs plus longtemps. En plus, il faut que j'utilise parce que. Enfin, ça sort tellement rapidement le lance-flamme. Enfin, il faut que j'en fasse utilité quoi. Oh la vache. Ok. D'accord, donc on part sur des plateformes à la Rayman. Ah ouais. Oh Marius, tu tires ou tu pointes? Allez, je vais pointer. Attention. Ouais, un peu bas. Tac. Et tu? Oh, il est dessus. Eh, ça, si c'est pas du master shooter. Je sais pas exactement ce que ça remplit le truc violet là. J'ai pas bien vu. Donc là, je peux descendre. Et bouh, remonter. D'accord, très bien. Ok, d'accord. Ok, putain, le déplacement, il est impeccable. C'est exactement ici que le mec a bloqué une demi-heure. Ah mais c'est pas une blague, il est encore bloqué l'autre abruti là. Oh non, le pauvre, il a mis sur le dos. Oh non, ça se fait up. Il a vraiment encore bloqué quelque part cet abruti. Mais là où j'étais là. Là où j'ai descendu en fait. Ok, après la technique des magies des makers, les Argentiens apportèrent une nouvelle clarté au royaume disparate du néant empyréen. Et putain, ça va, détends-toi au niveau des épithètes. Nous décollâmes, déjà ça c'est bâtard, avec le soutien de nos dieux diffusant la bonne parole de la canne maker. Nous découvrîmes que l'ennemi n'était pas unique mais multiple. Des mondes et des peuples inconnus des Argentiens fut découvert et nous vîmes notre propre souffrance dans leurs yeux. Notre vertueuse armée se jeta dans la bataille sous la bannière des sentinelles nocturnes et combattit pour la liberté de tous les peuples à vivre sans être exploités ni tourmentés. Ouais, super égauchiste. Bien que nous ne combattîmes pas sur notre sol, le sang versé sur les terres étrangères protégea Argentnour et les fils et les filles qui la défendaient. Parmi les étranges peuplades, libérés, de nouvelles alliances virent le jour et tout adoptèrent nos croyances, notre armée se démultiplia. Alors que les Argentiens traversaient les étoiles à bord de flottes de guerre étincelante, la canne des Makers approcha le roi Rohan sur son trône. Il perçut une certaine inquiétude chez la déesse, le roi et la canne s'entretinrent, et la déesse révéla avoir perdu perçu un schisme dans le sang d'Argenta. L'hôte de cette dissension et en notre sein serait identifié par un test. Elle parla d'un rituel divin effectué sur nos meilleurs guerriers. Seuls ceux qui s'étaient montrés dignes seraient testés, car l'impureté ne résidait que parmi les plus résilients de notre légion. La machine divine, grand hommage aux érudits makers, nous aiderait à supprimer toute impureté de notre troupeau, assurant la poursuite de notre prospérité dans ce monde et dans le royaume des makers après la mort. Le malin, s'il n'était pas extirpé de nos rangs, mettrait en danger notre passage vers le royaume céleste d'Urdak. C'est leur second paradis en fait, Urdak, j'ai l'impression. C'est genre quand ils meurent, t'as un maxi paradis en fait. L'obscur n'était pas parmi eux, ni alors, ni pour les générations à venir. Seule la mère déesse, par la divination et la vision des makers, déterminerait quand ils se présenteraient à eux. Les makers étaient la vérité et leur seule vision lucide pouvait trouver celui qui avait été marqué. La prophétie de l'impie était écrite, mais les siècles passants atténuèrent le message au point que seul la canne maker et ses hauts prêtres de l'ordre de Dig murmuraient qu'il viendrait un jour menacer la voie de la connaissance. Putain, j'ai rien compris. Je suis dans le Schwartz. J'ai rien bité. Mais en tout cas, ça a l'air intense. Ouais. Les makers, c'est des gourous de qualité. Ouais, j'ai l'impression qu'ils se démerdent bien dans leur boulot. Hein. Moi, je suis assez con. Tu peux me faire croire un peu ce que tu veux, tu vois. Mais franchement, eux, ils se démerdent bien, quoi. Ça, j'ai un copyright claim. Ouais, je m'en fous. Ok. Ah ouais, mais non. Oh. Heureusement qu'il est gentil le jeu hein, avec le platforming parce que putain. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces patates?
portes du Slayer. Les portes du Slayer sont des confrontations intenses et optionnelles. Les munitions et les vies supplémentaires utilisées par une porte de Slayer ne seront pas restaurées par la suite. En terminant une porte du Slayer, vous gagnerez 3 points d'armes et une clé empyréenne. Chaque porte du Slayer se débloque avec une clé du Slayer qui se trouve à proximité de la porte. Oh putain, il a réussi. Réussi quoi? Ah, c'était ça qu'il a bloqué, le mec? C'était sur ce que je viens de faire, là? Ouais, casse-toi. Où est-ce qu'elle est, la clé du yonf, là? Gimme. Ils prennent pas de dégâts. Et moi si. 10 PV. Ah. Eh, franchement, c'est bâtard, ça, parce que je fais comment, en fait? Bah ouais, bah évidemment. Putain, ouais, ils vont partir vite, mes one-up, hein. Tiens, culé, va. Voilà. Tu m'attraperas après. Ok, d'accord. Je verrai après. J'en prends plein le huc. Un cadeau, celle-là, tiens. Cul de ta mère. Alors, où est-ce qu'elle est, ma clé du Slayer? Est-ce qu'elle est marquée ici? Ah oui, elle est marquée ici, car elle est... au-dessus. Donc il va falloir passer par là-bas et revenir pour niquer en fait la porte du Slayer. Ah, putain, la porte du Slayer, quoi. Tu te demandes vraiment à quel point le gars il était réveillé pour avoir pour avoir sa propre porte dans le bordel. Ok, j'ai même pas besoin de leur truc. Donc ça, gros loot, la clé du Slayer débloque une porte du Slayer à proximité. Terminez toutes les portes du Slayer pour débloquer l'accès à l'Unmaker. Putain, comment ils l'ont écrit? Ah non! L'Unmaker, c'est un vieux gun dans Doom. Et c'est une espèce de... Bah, c'est le défaiseur, en fait, quelque part. Et ouais, donc les makers, pour eux, c'est... D'accord, ils l'écrivent comme ça, mais ça veut dire vraiment un maker, un faiseur, quoi. Un créateur. La clé de Guy, c'était pas ouf. Putain, mec, c'est carton de ouf! Oh la vache, ok. Ici, donc ici, je vais en prendre plein le cul. Je le sens. Mais ça va être sympa. Le truc, c'est surtout au niveau du... Je suis en train de vérifier un petit peu comment est le layout pour voir un peu comment... Il y a rien d'autre que juste du parterre. Okay. C'est très Darksiders, la clé. Ouais, de ouf. Putain, il est dégueu, ce Gornest. Je kiffe de ouf. Ah, dégueu. Oula. Carrément dans une autre arène. Ah ouais. Oh, putain. Enculé de toi. Ah oui, en effet. Merde, j'ai loupé. Pas grave, tout va bien. Ah, oh, merde, j'ai loupé, pas grave. Oh la vache, je sais pas ce qui se passe, mais c'est génial. Les câbles. Sous les gros bâtards. Donc ça va être une grosse, je pense, confrontation ultra longue contre plein de mecs, putain, dont des revenants. Mais c'est un... Attends, c'est un maraudeur. Attends, wow. Attends, mec, qu'est-ce que... Oh la vache. C'était quoi? Oh là 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 là. C'est lui que j'aimais beaucoup. Ouais, bah j'ai pas eu le temps de voir, il m'a pété la gueule trop vite, je suis désolé, hein. Rejoins une porte du Slayer. Si vous avez du mal à terminer une porte du Slayer, vous pouvez retenter votre chance en rejoignant la mission grâce au champ de mission. Vous pourrez peut-être plus d'armes et d'améliorations pour réussir les défis. Utilisez les codes de triche, cache la clé du Slayer, désactivant la porte du Slayer. D'accord, donc tu peux pas le faire, ok. Mais là je recommence au truc. Ok, d'accord. Eh ben écoute, on va essayer. Je vais refaire. Je réessaye une dernière fois, les gars, et ensuite on survit. Doucement, tranquille. Là, il y a des jump pads qu'on va utiliser en nombre.
Merde, j'ai plus de fuel, quel con. J'ai utilisé ça pour air, comme on dit. Les câbles. Oh, eh, je prends tellement cher, tellement vite aussi. Ça, à force de jouer à faire le con. Le bitrate crache ses poumons. Ah ouais, non, mais là c'est obligé, mec. Il y a beaucoup trop de trucs, même pour moi. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Restez tranquille, ça va revenir. Cette arène me donne une grosse nostalgie de Quake. Ah bah ouais, ça c'est clair. Oh la vache! Je t'en supplie! Nique ta mère! Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup trop de monde! Il y a beaucoup trop de monde, sa mère! Ça va juste me ralentir, juste vite fait. Pas ici, surtout pas ici. Je comprends rien, mec, moi non plus. Là, on est dans le même bateau, poteau. S'il te plaît. Oui. Ah, il est ouf, lui, mon gars, c'est un Terminator. Bon, j'ai niqué le maraudeur. Du coup, je fais... Ah putain, il y a un dessus. Oui, mon gars, Philippe Rizzoli. Toi, mon gars, tu vas partir en banane, directos. Tiens, toi, je te finis. J'ai plus de carbu, pas grave. J'en suis où là? Ils sont où les ennemis? Oh, j'en ai pris plein la gueule. Oh, putain! Clé en pyrène, vous avez obtenu une clé en pyrène, obtenez toutes les clés en pyrène pour activer l'appareil Maker dans la forteresse de la destruction qui débloque l'Unmaker. Ok. Énorme GG. Je pense, tu vois, d'habitude quand je vous dis ouais, y a pas de GG, je pense pas que je le mérite forcément. Mais là, la porte du Slayer en ultra violence au deuxième try, franchement, c'est pas un jeu, c'est une agression. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et allez, encore une petite phase de platforming, histoire de faire passer. Attends, on en est où là? Ok, il y avait un truc là-bas, mais... Ça là, par exemple. Attends. Merci beaucoup pour le Master Shooter. Vie supplémentaire. Je vais en avoir besoin un peu des one-up, je pense, finalement. Au début, on faisait « Ouais, les one-up !» Truc de ouf. Le signal vital du traître est propre. Carrément. Ça c'est quand Yadar il s'apprête à frapper chez moi. J'ai mon IA qui dit le signal vital du traître est proche. C'est impeccable. Bien sûr qu'il y a la plateforme, t'es ouf ou quoi? Ils allaient pas oublier un petit coup de platforming quand même. Brum brum, les one-ups c'est pour les PD, c'est du passé. Ah non, bah les couilles. Oh la vache, qu'est-ce que c'est? Donc lui, c'est l'usurpateur. Oh putain. Je vous ai dit de me laisser ici. C'est lui qui a trahi tout le monde pour résu son fils, je crois. Petit foot. Tu connais le Quidditch? Sauver vos congénères ne vous apportera pas la paix, mais alourdira juste votre fardeau, croyez-moi. Il est plus grand que le Doomguy. Alors vous cherchez à défier la Manlet elle-même. C'est au tour de vos congénères de se repentir. Comme j'ai dû le faire moi aussi. On fait des passes. 3 points, 3 points. Écoutez-moi, Slayer.
Quand son cœur ne battra plus, alors son âme trouvera le repos. Tout comme la mienne. Putain, super ton sabre laser. J'ai positivement rien compris, ça me plaît, hein, mais j'ai rien bité. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc il forge des armures tranquillos de son côté, avec sa petite hache qui rappelle la hache bah, du maraudeur, je crois, du coup. Bah, je me souviens plus des noms, du coup. J'oublie un petit peu. Dungai, c'est un Jedi. Il lui manque un bras à se péder, MDR, c'est vrai? Ah oui, bah il a dû s'en forger une. Par contre, son marteau laser, gros respect, gros respect. Juste voir un truc au niveau des codex, je pense qu'on en a loupé quelques-uns. Chevalier de l'effroi, oh, 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 oh. Si Dimitrius peut rapidement faire vaciller de ce démon comme le... Ah mais d'accord, en fait c'est un Hell Knight mais customisé. Non. Variante de la race des chevaliers de l'enfer, ce chevalier de l'effroi a été modifié génétiquement pour être encore plus agressif. Armé d'un exosquelette alimentant les âmes énergétiques, il est le résultat mortel de l'ingénierie des adeptes du lieu ici. Des régulateurs d'épinéphrine lui envoient un flot constant d'adrénaline poussant à la rage, tandis que ses récepteurs d'endorphine ont été modifiés pour se synchroniser avec l'utilisation de ses lames montées sur les bras de chaque victime qui l'a fait octroie une dose de dopamine artificielle. Conséquence de ces augmentations, le chevalier de l'effroi est dans un état de rage incessante, créé biochimiquement, une souffrance dont le seul répit se trouve dans le massacre. Eh ben putain, d'accord, donc en fait, il y a des récepteurs de dopamine et qui s'activent une fois qu'il bute quelqu'un. Donc, c'est-à-dire qu'il fait tching. Ça fait du bien. Tu lis bien, Marcel, on dirait une émission d'Arte. Bah, je suis plus ou moins un littéraire, en fait, donc... Écoute, je fais ce que je peux, mais je prends en tout cas, je le prends, merci beaucoup. Je suis un littéraire, mais j'ai plus de mots, donc... Oh, je bouge plus. Salut, j'ai avancé un peu dans le jeu, du coup. D'accord. Bah t'as dû aller plus loin que moi, hein, du coup, parce que je passe 5 minutes à regarder chaque centimètre carré de la map. Ok, alors voyons voir, est-ce que c'est bien lui? Après des années de conflits prolongés contre la menace démoniaque envahissant son monde, Argent Nour lance une frappe offensive à travers les dimensions, envoyant ses meilleurs guerriers au cœur même de l'enfer. Pardon, mais où tu lui mets tes points? Malgré leur entraînement et leur préparation, ils furent trompés et déshonorés, une trahison, sa mère la pute, au plus haut point... Au plus haut niveau hiérarchique, laissa les plus valeureux guerriers d'Argent Nour coupés du monde et éparpillés en enfer. Mais parmi ces dernières sentinelles nocturnes, une seule décida de rester en enfer. Le commandant Valen n'était autre que le traître d'Argenta. Renonçant aux clés du sépulcre des éléments en échange de la résurrection de son fils, il fut constamment hanté par des visions démoniaques de son fils torturé et rendu fou par le murmure incessant des démons. Dans un moment de faiblesse, il se laissa berner par un démon, scellant le sort d'Argent Nour et condamnant ainsi le royaume qu'il avait juré de protéger toute sa vie. Valen choisit de s'exiler en enfer pour protéger sa perte. Ok, d'accord. Donc lui, il s'exile en enfer, pas exactement pour la même raison que le Doomguy à la fin de Doom 64 et au début de Doom 2016. Mais plus comme punition auto-infligée parce qu'il a trahi tout le monde pour raise son fils. Et on sait même pas si ça a marché, mais comme étant donné qu'on a des théories comme quoi son fils c'est l'icon of sin, enfin c'est même pas vraiment les théories, j'imagine que, écoute, c'est le regret quoi. Je pense que je suis à la fin de la map et je pense que je vais couper le stream après avoir fini cette prochaine confrontation là. Pickup. Tranquille. Je l'affiche sur votre... Mec, c'est quoi ces obstacles à la Mario? Ça me fait rire de ouf. Je pense que le sabre laser qui t'a filé, c'est pour clic-clac son fils. Quand son cœur ne battra plus, il trouvera le repos. Tu crois qu'il parlait de son fils? C'est possible. Eh putain, non, j'ai pas rechargé mes... Ok. J'ai pas rechargé mes, mon dash, en fait, donc c'est moi qui étais con. Un seul dash. Tranquillos. Voilà. On reprend ses dashs tranquilles. Et ici... J'ai pris deux dash. J'ai pas pu les raisons, merde. Ok, putain. Eh, par contre, j'en suis où? Ah, putain, faut que je recommence. Ok. Tranquille. Pas obligé d'utiliser la remarque. Ok, donc je peux raise mes dash une fois que je suis sur une plateforme. Mais attends, pourquoi je fais ça par contre? Parce que... Attends, ça sert à rien en fait. Attends. Je te conseille de visiter le hub après, il y en a pas pour longtemps et les historiques sont top tier. Oui, non, par contre, oui, je vais finir cette mission et couper après, mais après qu'on ait vu le hub. Parce que oui, j'imaginais qu'on allait voir la man cave du Doomguy.
juste après ça. Peckham, tu l'as fait la porte du Slayer, toi, The Mouette, ou quoi, tout à l'heure hein? C'est celle qui est juste avant, là. Oh, c'est un quad damage. Oh, mec, c'est un quad damage, ouais, c'est bien ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Tu arrêtes, tu arrêtes. Écoute, on va faire un truc. Je vais buter tes potes et je vais venir pour trancher le cul. En fait, je crois que ce qu'on a vu là, le reflet des yeux, ouais, c'est vraiment. C'est pas juste sa gueule, c'est le reflet des yeux dans le casque en fait. Il se voit vénère. C'est stylé comme tout. Ah oui, t'as la manette toi en plus. Ah putain. Bon courage, poteau, parce que je te promets qu'en tout cas. En ultra violence, c'était fun. Voilà, impeccable. Le con, le con, le con, le con, le con, le cocyte. Oh putain, la traque de malade mental. Tu vas où? Impeccable, tout ce que t'as besoin. J'ai plus de... d'essence, ça va revenir. Elle se recharge un peu toute seule. Voilà, elle est là. Je me suis gouré d'armes. Je fais pas attention, hein. Je suis pas vraiment attentif à ce que je fais. Oh non! Oh, ça c'est méchant! Réfléchis. T'aimerais pas qu'on te fasse pareil. Allez, nique ta race. T'es le dernier, toi? Non, pas le dernier, pas tout à fait. Pff, oh la vache. Ok, du coup j'ai gagné un point d'arme. Et voilà, on est du coup à 10 sur 10 de corruption. Enfin, 10 sur 10 de corruption démoniaque. Et on a chopé tout ou quoi? Non, il manque un truc. Mais j'ai un peu la flemme d'aller chercher maintenant, donc au pire on ira au prochain stream, c'est quoi? Pas maintenant. Oh putain, il est incroyable ce jeu, sa mère. Comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Ça, donc ça c'est bon, Port du Slayer c'est bon, et la les deux confrontations secrètes avec les Gornets c'est bon aussi. C'est quoi qui me manque du coup? Oh, c'était un jouet! Oh non, on a oublié un jouet, mec! Et les récompenses? Ah si, ça marche quand même! D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là... T'as eu quel jouet? J'ai eu l'arachnotron, je crois? 100% c'était le jouet Kakodemon. Putain, mec, j'espère tellement pas! Faut aller le chercher. Non mais j'irai demain, t'inquiète pas, j'irai demain. Y a pas eu encore le Kakodemon. En jouet. Vous pouvez trouver les prêtres de l'enfer restants en activant votre loco. D'accord, c'était le Kako, ok. Ruru, je voulais te remercier d'avoir recommandé Crost. Attends. Je calibre le portail tout de suite. Au nord de la Terre ? Oh, va y avoir de la neige, mec. Va y avoir de la neige. Okay. J'ai lu Wish You Were Here et il est vraiment cool. J'ai pas lu celui-là. J'ai lu Crossed Original. J'ai lu Psychopath et Family Values. Et c'est tout. Et du coup, ça... Ah non, non, du coup, c'est Robert Prince. Ça, c'est le compositeur original, si je me gourre pas. Putain, oh elle reste. Mec.
C'est que ça le hub? Non, c'est pas que ça le hub. Qu'est-ce que tu veux que je foute là? Si c'est ça, il faut que je retourne là-bas. Ok, d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, installer les batteries sentinelles dans les emplacements prévus à cet effet. Dans la forteresse de la destruction prévue à cet effet pour débloquer les objets et prévus à cet effet alimenter certains éléments de la forteresse. Vous pouvez les trouver dans les missions ou en gagner en terminant 3 défis de la mission. De toute façon, j'ai tout fini donc. Forteresse de la destruction, j'adore la finesse, ah mais de ouf. Énergie sentinelle en augmentation. Rétablissement de la puissance vers le noyau et les systèmes supplémentaires. Oh mec, là mon énergie de sentinelle là, elle est carrément en augmentation de ouf là. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment il est en train de l'imprimer en 3D, ok. Faut attendre un peu. Ils sont où les dub fiches? Attends, parce que je crois que je suis en train de me paumer. Non d'accord, là ça vient ici. Ok. Attends, je vais lui faire couper un peu sa gueule par contre à Doomsgate. Ça va me déconcentrer. C'était où? Là-bas. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, je fais au maximum, mais... Merci. C'est bien, pégale. Le hub, il a un look de vaisseau cathédrale de Warhammer. Ouais, par contre, ouais, je suis d'accord. Je connais pas beaucoup Warhammer, mais pour avoir vu des images, des trucs comme ça, ça y ressemble. Oh, putain, il a son poste de souture. Putain, il a même son... Ouais. Trop stylé. Russian, l'homme qui spawn aux 35 mètres carrés. Mais c'est pour ça que moi, la place que... Fait, j'ai un petit appart. C'est pour ça que ça me suffit, c'est parce que je découvre tout le temps des coins, en fait. Oh putain, il va me falloir 2 piles. Oh attends. Oh c'est bien. Oh putain. Ah l'enculé, je pensais pas qu'il était là, je pensais que c'était un genre de... J'avais vu le skin, je vous mens pas, j'avais vu le skin. Mais je pensais que c'était un menu de sélection à la con ou un truc comme ça, je pensais pas qu'il était sous vert l'enculé. Ah la te pue. Oh mec. Qu'est-ce que c'est? Oh lolo. Ah bah voilà. Oh attends, il y a des trucs là. Ok, la forteresse de destruction est une station de commandement utilisée pour les opérations militaires des sentinelles. La datation par résonance paramagnétique électronique suggère une construction de la structure sous le règne du roi Danakil. Et l'analyse spectrale de la signature énergétique sentinelle utilisée pour alimenter les différents systèmes confirme cette théorie. Si la structure rocheuse et métallique du vaisseau est sans aucun doute de conception argentienne, les sous-systèmes de la forteresse, navigation, centrifuge gravitationnelle et support de vie, sont d'origine Maker, suggérant une collaboration entre les deux espèces. Un système de propulsion est inutile. La forteresse manipule l'espace par un processus inconnu impliquant l'énergie sentinelle. Pff, ouais, au pire, si t'as pas envie d'expliquer, l'explique pas. Hein. Rien n'indique toutefois que les systèmes aient été conçus pour les makers. Les accès, panneaux de commande et quartiers de vie sont tous aux dimensions argentiennes et on peut donc en déduire que la structure massive a été construite exclusivement à des fins militaires, notamment comme station principale et sentinelles nocturnes. Des archives témoignent des sentinelles nocturnes explorant de nombreuses planètes inhabitées de leur cadran local. L'étendue de leur empire est toujours en cours d'étude. Et cette forteresse pourrait témoigner d'une flotte autrefois plus vaste. C'est quoi? Batterie sentinelle, ouais, ça, putain, batterie sentinelle, ça merde. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, ça merde, oula vache. Oh putain, c'est quoi? C'est quoi ça? The Gauntlet. Perfect Hatred. The Shocking Tale of Perfect Hatred. D'accord. Ça, d'accord. Oh putain. Oh comment c'est beau. C'est magnifique. T'es magnifique, ma fille. D'accord. Ça, c'est quoi? Enter the Warlord! Kadingir Hunter! En référence au Kadingir Sanctum. Putain, oui, il a un Nunchaku! Ah, le Doomslayer, il a un Nunchaku, sa mère! Demonology today, living with fear. How the Doomslayer is only a manifestation of your unresolved inner turmoil. Morally misunderstood, we examine the harmful effects of demonizing the morally challenged. Donc ça, mortally challenged, c'est le nouveau mot, on peut plus dire undead maintenant.
Slayer outrage. Why the Slayer owes the demon community an apology. Oh mec. Oh non. C'est quoi? Golami. We're everywhere. C'est quoi? C'est Hugo Martin. C'est Hugo Martin dessus. Non, j'ai l'impression. On dirait Takoyaki Flavor Free Choose. Oui, c'est Hugo Martin, on est d'accord. Non. Ah, mec, il a plein de... Non, le nerd. Oh, le nerd de ouf. J'hallucine. Mais regarde-le. Glorykill.mp4, Repentermix.mp3, BestKillCompilation.mp4. De quoi? Candy Gear Cooking, Winner Winner, Argent Nour, Soul Food That's to Die For, Pinkie Pies, 100% Infant Broiled Pink Patty Pies, Caco Cakes, The Hell Walker, Gauntlet, il a sa platine vinyle, Doom Eternal, utilisé? Choose a file? Doom Installation? You have... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, va falloir trouver des CD. Je pense que ouais, tu peux jouer au premier Doom là-dessus. Non, non. Il a De quoi? Dans de où? Mais mec! Mais c'est au-delà d'un skater boy. Il a des guitares en peau et des guitares en technologie de malade. Il est fou. C'est quoi ce délire ici encore? Il a ça. Bon, ça c'est bon. Ça c'est plus sérieux là. Il a son armure qui est en train de bosser dessus apparemment. Ah bah c'est son ancienne, non? J'ai l'impression qu'il a bossé sur l'ancienne, il l'a dépioté, il a enlevé les bras, genre pour montrer. Guns and Bullets. An exclusive look at the BFG 10,000. The BFG 10K is finally here, and yes, it's over 9,000. Yeah, internet. Juiced up. An inside look at the latest in plasma-powered weapons that'll have you saying, boy. Doomsday dinner. 10 prepper-approved meals in a jug that will sustain you until the end of days and beyond. Et là, y'a quoi? The Argent Energy Crisis, man-made or made up. Putain, est-ce que genre le Doom Slayer c'est un mec? Ah bah voilà Daisy. Est-ce qu'il a fait en sorte qu'un peintre lui peigne lui? Et... Oh putain, c'est son punching ball. Je crois que c'est son punching ball, mec. Je crois que ça c'est son punching ball, poteau. Ah mais voilà, il y a une petite cage avec des trucs à lapin. Où est-ce qu'on a chope Belle? Mais oh putain, les voilà. Il y en a. Commander Keen. Voilà le casque de Commander Keen. Alors qu'est-ce qu'on a? How to win friends and kill demons? Atlas ripped and teared. The picture of Dorian Slay. The caco in the rye. Green eggs and pentagram. 1984 Dead Demons to Kill a Mocking Demon. The Great Gatsby Demon Farm. On les avait tous plus ou moins vus, je crois que c'est les autres qu'on avait pas vus. How to comb your moustache. Comment peigner votre moustache? Très bien, donc ça c'est... Oh, attends, c'est quoi? On a Quake 3 Arena, The Art of Doom, qui coûte 120 balles. Where the Saints place... The safest place is behind the target? A tagger, je sais pas ce que c'est. Doom 2, il a ses petites caisses. The Living End, Pandemonium, Collector. Mais quel gros gigantesque nerd. Son lapin, il a pas l'air d'être là. Non, mais ils ont, il y a pas son lapin. Peut-être qu'on trouvera plus tard, peut-être. Vault Dweller Survival Guide, ouais, ça c'est une référence à Fallout, je m'en bats les couilles. My Body Superfly. Et je crois qu'il y a une référence. Attends. Unatco Training Manual. Unatco, c'est... Je sais plus ce que c'est, Unatco.
The Dope Tale. Et je crois qu'en gros, il y a une référence... To Pray or Not to Pray. Il y a une référence au comic. Au comic Doom avec le gars qui est éclaté, là. Je me souviens même plus de son nom. Le mec est complètement fou et qui dit « T'es énorme, tu dois avoir des gros boyaux, machin. » The Spear of Destiny. Il y avait The Spear of Destiny. Ok. Et du coup, on peut revoir... Ah ouais, de ouf, on peut en plus... Non mec, c'est génial. C'est super, regarde-le, il est adorable. C'est Deus Ex, c'est ça, une Atco, c'est le premier jeu Deus Ex, c'est bien ce que je me disais. Zombie... Non, ah ouais. Ah carrément en fait. Eh ben puté. Ah, ils sont contents de leurs assets pour pouvoir les montrer comme ça, mon gars. Hein. Bah attends. Ça va, poteau? Est-ce qu'on retourne, on voit son cul ou pas? Non, on voit pas son cul. Putain, fais voir. On voit pas vraiment sa gueule. Ça va, ils l'ont quand même caché, mais j'aime bien comment ils l'ont fait, en fait. J'aime bien comment ils l'ont caché, ça me plaît. Ils peuvent, les modèles sont vénères. Ouais, ouais, ils ont bossé dessus, les copains. Bon, eh ben, c'est génial. C'est mec, c'est gigantesque. C'est beaucoup trop fun. Croyez pas à l'autre PD, là, de Marc, de Sergent Marc, je sais plus quoi, là. Le Brésilien, il sait pas ce qu'il dit. Ah, ils ont fait en sorte que ce soit fun. Les connards. On s'en bat les couilles de ce qu'ils pensent. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça s'ouvre? Ok. Oui, oh là. Je suis dans l'espace. Je suis dans l'espace. Très bien. Les nerds sont donc le cauchemar des démons. Ah, lui, c'est pire que ça, mais... C'était sa tour de PC. Quoi donc? Qu'est-ce que... Oh là là! Ouh! Ça, c'est une tenue. Ce serait pas la tenue de leur capitaine à la con, ça? Non, mais ça, elle m'intéresse pas, celle-là, mec. Si je trouve deux piles... Mais je suis dans l'espace, par contre, qu'est-ce que... Wouh! Ouais. Si je trouve deux piles, ce sera pas celle-là que je vais débloquer, poteau. Hein. Y'a pas de problème, Tu sais qu'en plus, il y a un mec qui a demandé à comment... Romero, c'était quoi les deux trous qu'il avait? Qu'ils avaient, les Caco Demons? Il lui a répondu, on parle pas de ces trous-là. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce, c'est une petite pièce? Ok. En fait, il y a plein de trucs à débloquer un peu partout. Oh là 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 là, mec... Il construit un méca, bah j'ai l'impression, hein, c'est ce qu'on penserait. C'est quoi, il y a encore des petites pièces, j'ai aucune idée ce que c'est. Je peux aller jusqu'en bas, tu penses? Non, absolument pas. Je peux pas descendre jusqu'au méca. Ah ouais. Quand même. Non, peut-être que je peux pas descendre, alors. I could. C'est une petite tenue de sentinelle. Bah, en fait, c'est des projections de sentinelle, mais c'est pas des tenues. Ils tendent un genre d'objet, comme l'objet, tu sais, qui a disparu quand il a étranglé le méchant au début, là, tu sais. Il l'a chopé par la gorge et il lui a présenté un genre de grosse pièce et elle a disparu. Et. Ah, je suis en train de tuer les méchants. Et ça, c'est quoi? C'est la tenue du premier, me semble-t-il. On pourrait redébloquer la tenue du premier, d'accord. Ouais, la pièce bleue, ouais, bah j'ai l'impression que c'est les mêmes, mais je suis pas certain. Oh la vache! Mais je suis pas certain. Oh putain! Mais comment c'est beau? Ok. Et ben en tout cas, je suis. Pour ceux qui se demanderaient, je suis en 1600x900 en auto-configuration élevée sans synchro verticale et motion blur. Et bah écoute, les 60 FPS ils passent très très bien. Bah c'est ça, Lunmaker! Ha! D'accord. Ah, mais il y a plein de trucs, en fait! Là, il y a encore des pièces. Là, il y a un mode gratos. Là, il y a une pièce encore, je sais pas trop ce que c'est. Encore un mode gratos. Gratos, pardon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du coup un cristal. Pour pouvoir améliorer le Slayer. Encore un autre. Du coup, c'est son vaisseau, la citadelle de la destruction. Ouais, ouais, c'est son coin, putain. Mais regarde! Je suis sûr que c'est de la binge qu'il a là-dedans, mec.
J'ai pas l'impression que ce soit totalement à lui, parce que c'est bizarre qu'il... Non, remarque, si, ouais, peut-être. Je crois que les pièces, c'est des runes. Ah, mais oui, mais t'as raison. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas voir s'il y a un genre de... Ouais. Ok. Eh ben, putain, mec. On va avoir du boulot. Ça va être vénère... Galère. Il y a beaucoup de contenu, mais il fait combien de gigas? Il fait que 37 gigas, mec, hein. Il est même pas énorme. Il est pas énorme du tout. Comparé à d'autres putains de jeux qui font... Mais putain, mais... Ah, putain. Eh, je vais claquer sa mère, mec. Avec les abdos et tout. J'espère qu'il aura ses gants. C'est le premier truc qu'on ira choper, hein. J'espère que vous êtes au courant que s'il y a bien un truc qu'on va choper quand on aura deux piles, c'est ce putain de costume Doom classique, vraiment. Il y a aucun autre moyen qu'on fasse ça. Et du coup, c'est quoi qu'on va choper, là? Genre de grappin à la con, je sais pas trop. On le chopera plus tard. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres trucs? Ceci est une diffusion de l'arc. À tous les membres de l'arc et à tous les survivants présents au sein des zones en cours d'infernalisation, nous avons reçu de nouveaux signalements de la présence du Doom Slayer. Le Slayer. De l'arc ne recommande en aucun cas de communiquer directement. Tu m'étonnes, poteau. Évitez tout contact avec lui pour le moment. S'il est clair que le Slayer est un ennemi des non-morts, nous ne savons pas encore s'il constitue... Tout le monde panique, mec. Ok. Très bien. Ça va, je retiens, tu seras la première à partir, toi. Évite de respirer son arme. Bon, bref, les gars, je vais vous laisser là. Le jeu, il est incroyable. Franchement, littéralement, JPP. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, du coup, très très tôt. Je vais remettre mon très beau fond que j'ai fait exprès pour ça. À demain très très tôt. Et puis, on va continuer ça tranquille. Je vais me faire une petite grasse mat à l'aise. Parce que là, j'ai un sens bizarre de la réalité. C'est comme si j'étais en train de rêver là actuellement. Et tu termines maintenant. Ouais. Je vais couper maintenant. On aura fait quand même 3 heures. Et du coup, on recommence demain. Mais demain, je pense assez tôt. Hein. Ce sera pas 19h ou 20h. Mais ce sera dans l'après-midi ou un truc comme ça. Pas trop tôt non plus, faut que j'aille au tabac. Bah vas-y tôt, mec. Bisous et demain. Ouais. Gros bisous tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je suis extatique, quoi. J'en peux plus, quoi. Mec, j'en peux plus. C'est trop. C'est trop pour mon petit cœur tout mou. Oh putain, quand je vais pouvoir dormir après ça, mec. Ça va pas être possible. Je vais vous laisser, tu sais quoi, avec justement Doom at Doomsgate Ulschulz. Voilà. Allez, bisous tout le monde, ciao et à demain.